Le professeur Jean-Philippe Omotunde, qui est d'origine guadeloupéenne, qui s'est beaucoup posé des questions sur son avenir, mais en se disant, mais pourquoi mon histoire n'est pas connue? Et il a commencé à chercher. Il a fait des études pour apprendre ce que les Noirs ont apporté à l'humanité. Il est installé à Paris. Il donne cours dans certaines institutions, dont l'une qui s'appelle Africamat, qui permet aux Noirs, qui permet aux Blancs, qui permet à tout le monde de se réapproprier l'histoire. À côté de ça, il présente des émissions de télévision pour lesquelles il permet que la diffusion de l'information puisse être la plus large possible. Il produit beaucoup de livres, il en a écrit beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont exposés là-bas. Mais il y a un site internet qu'on vous donnera après, si vous voulez aller voir plus loin. Notre idée, pourquoi on a fait venir, c'est parce que nous voulons parler des choses que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, si un Noir a inventé quelque chose, eh bien, c'est que, comme nous sommes dans un système de valeurs, il y a des brevets qui sont déposés dans des institutions qui gardent. Eh bien, nous avons voulu prendre quelqu'un qui connaisse tout ça et qui nous en parle. Nous allons accueillir le professeur Jean-Philippe Omotunde. Avant de lui passer la parole, je vais lui poser deux questions auxquelles il répondra à la fin. Je ne lui ai pas dit que je lui poserai deux questions. La première question que je lui pose, c'est celle-ci. Quand nous avons voulu faire son billet, on s'est rendu compte que, en fait, on ne pouvait pas écrire son nom, Jean-Philippe Omotunde, c'était Jean-Philippe Corvo. Alors, je lui pose la question, professeur Jean-Philippe, vous êtes Corvo ou Omotunde? Vous nous répondrez à la fin. La deuxième question que je lui pose, est-ce que c'est nécessaire de parler des inventeurs noirs alors que l'invention appartient à l'humanité? Voici mes deux questions pour la fin. Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, parce qu'on va traiter d'une thématique qui est assez riche, qui est assez surprenante. Et c'est vrai que, je rendrai hommage à un inventeur de chez nous, qui est de la Guadeloupe, qui est Monsieur Nicolo. Je ferai vraiment ceci en son honneur, tout simplement parce que Monsieur Nicolo, c'est quelqu'un qui était un fils d'agriculteur. Il s'est intéressé à l'électronique, et c'est lui qui a mis au point le système qui permet aujourd'hui de recevoir toutes les chaînes de télévision sur un même poste. Vous voyez, ce qu'on appelle la télécommande, tout bêtement, aujourd'hui. Ben voilà, c'est Monsieur Nicolo qui a la Thomson International, puisqu'ils avaient donc un laboratoire à Paris, et lui il a quitté la Guadeloupe, il a été étudié donc à Paris, et c'est lui qui a travaillé à la Thomson. Et avant, vous vous rappelez, il y a très longtemps avant, à l'époque de ma mère, quand il y avait un poste de télévision, on n'avait qu'une seule chaîne. Vous voyez, eh ben, à partir de là, ben, il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui techniquement le bloc multicanal, qui permettait de recevoir toutes les chaînes de télévision sur le même poste. Après, ils ont travaillé sur le tube cathodique, donc le but étant d'avoir la télévision en couleur. Et pendant ce temps-là, il y a le général de Gaulle qui voulait développer tout simplement un centre à l'énergie atomique, ce qu'on appelle à Paris, en France, le CEA. Donc c'est alors qu'il prenait des cours du soir au CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers, son professeur lui a demandé de venir le rejoindre, donc dans le laboratoire du CNAM. Et il est rentré donc au commissariat à l'énergie atomique. Alors vous vous rendez compte, un jeune fils d'agriculteur de la Guadeloupe qui rentre en tant qu'ingénieur donc au commissariat à l'énergie atomique. Et qu'est-ce qu'il a mis au point? Vous entendez beaucoup parler des centrales nucléaires qui permettent de faire l'électricité civile. Ah ben, c'est lui qui a mis au point en fait le procédé qui permettait tout simplement d'avoir ces centrales qui fonctionnent et d'avoir l'électricité au nucléaire civil, puisque c'est lui qui a introduit donc toute l'électronique dans les centrales nucléaires, donc d'abord en France, et ensuite, là, comme vous pouvez le constater, le brevet est déposé partout à travers le monde, partout il y a des centrales. Chaque fois que la France vend une centrale, par exemple à la Chine, ben, c'est la technologie de M. Nicolo, naturellement, qui accompagne donc le procédé technique de la vente qui est opéré. Donc vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la thématique que je traite, vous voyez, on parle souvent des inventions et des découvertes du monde noir à l'époque où les personnes d'ascendance africaine ont quitté l'Afrique dans des conditions diverses, mais la condition la plus pénible, la plus dramatique a été quand même celle de l'esclavage. Et on a vu germer des gens qui ont accompli des choses extraordinaires, donc dans la Caraïbe, en Europe et aussi donc en Amérique d'une façon générale, puisque beaucoup de grandes inventions ont été faites. Je prends par exemple l'ampoule qu'on utilise tous. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de Thomas Edison, mais Thomas Edison, il ne faut jamais oublier que son filament était en bambou et que son ampoule n'avait pas duré. Et c'est le Howard Latimer, qui était ingénieur, donc qui était un Africain-Américain né en 1848, qui était ingénieur donc, et associé à la Thomson, à sa société donc, de Thomas Edison Company. Et c'est lui qui a mis au point le filament de carbone, qui est le filament qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, une invention qui remonte à 1881. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise donc ce filament de carbone. On parle maintenant d'ampoules basse consommation. Bon, c'est vrai qu'il y a des réticences, puisque ce sont des ampoules qui utilisent le mercure, avec bon, tous les dangers que peuvent représenter si un enfant joue au ballon et que l'ampoule se casse. Bon, le mercure, on se pose des questions, mais quelle va être l'incidence du mercure si l'enfant donc respire donc le produit chimique à ce moment-là? Et c'est vrai que je dirais il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. L'interrupteur, par exemple le rhéostat qui nous permet de baisser l'intensité de la lumière. Donc c'est un Africain-Américain aussi qui s'appelle Granville T. Wood, donc qui est aussi à l'origine de l'électrification des voies ferrées. Mais moi, ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est une thématique qu'on n'aborde pas souvent. Alors cette thématique qu'on n'aborde pas souvent, je vous garantis que vous allez rester scotché. Vous allez rester scotché. Donc franchement, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, vous allez rester scotché parce que, vous voyez, en fait, l'histoire de l'Afrique et de l'Europe a commencé il y a très très longtemps. Depuis la période antique. Et durant l'Antiquité, vous savez, en Afrique, il y a une très grande civilisation, c'est la civilisation égypto-nubienne, qui a construit les pyramides, qui a accompli de grandes choses. Et c'est vrai que dans la restitution du fait historique qui est fait aujourd'hui, eh bien, on ne parle pas toujours de ce plaisir que les Grecs ont eu d'aller en Afrique, de recevoir un enseignement. Par exemple, Pythagore a étudié les mathématiques pendant 22 ans en Afrique. Platon a étudié donc, la philosophie pendant 13 années à Héliopolis. Et ils étaient vraiment très contents de ce grand moment passé en Afrique et tout le savoir qu'ils avaient acquis et qu'ils allaient ensuite pouvoir diffuser dans la Grèce antique. Et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui ont attrait à la culture de l'Europe aujourd'hui, eh ben, remonte à cette époque d'échanges relativement productifs. C'est ce que je voulais vous montrer, de manière à vous montrer que l'histoire, en fait, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, les peuples ont toujours été en interconnexion. Et on se demande pourquoi on essaye des fois, il y a des historiens comme ça qui essayent de cloisonner l'histoire, alors qu'il y a toujours eu des mouvements d'échange. Alors, vous voyez, la thématique, j'ai voulu en quelque sorte l'appeler, vous voyez, les racines africaines de la civilisation européenne aussi, donc pour célébrer le génie donc africain, mais les racines africaines de la civilisation européenne, tout simplement parce que, je dirais, ça nous permettra tout simplement ensemble de faire quoi? De célébrer les humanités africaines, célébrer les humanités classiques africaines, donc apprendre à mieux connaître cette histoire antique. Alors là, vraiment, attachez vos ceintures parce qu'on va faire un grand voyage. Alors, en guise d'introduction, la thématique est abordée sous l'angle, vous voyez, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme, on dit que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous voyez, donc l'éducation doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir, voyez, donc le genre d'éducation qu'ils souhaitent donner à leur enfant. Donc c'est vrai que, je dirais, dans le cadre de l'éducation, il y a quand même une responsabilité qui incombe aux adultes, c'est de transmettre des idées positives donc, aux jeunes générations, des idées positives du vivre ensemble, des idées positives du cadre urbain, des idées positives, du respect de la nature, donc de la façon dont l'homme doit se comporter par rapport à tout cet environnement que nous avons finalement qu'en location, puisque l'objectif étant de transmettre tout cela dans de bonnes conditions aux jeunes générations. comme je suis chargé de mission aussi à l'UNESCO, vous voyez, il y a une chose qui m'a particulièrement interpellé en 2010, c'est l'objectif de l'UNESCO dans le cadre des histoires régionales de l'humanité. Vous savez, l'UNESCO a entrepris de réécrire l'histoire de tous les peuples de l'humanité, mais cette fois-ci, les historiens ne sont pas des historiens nationaux, ce sont des équipes de chercheurs internationaux, voyez, qui travaillent sur donc, des problématiques historiques. Et en introduction, l'UNESCO dit que le travail vise à désarmer l'histoire. Vous voyez, j'ai trouvé ça vraiment très fort, désarmer l'histoire. Donc on voit que l'histoire finalement a été armée, malheureusement, pour pouvoir assouvir certaines pulsions, certaines passions. Donc désarmer l'histoire en mettant l'accent sur le développement scientifique et culturel, en soulignant les apports de tous les peuples au progrès général de l'humanité. Voyez, les apports scientifiques, les apports intellectuels de tous les peuples au progrès général de l'humanité, écrire une histoire de l'humanité reflétant la pluralité des visions, souligner les interactions entre les cultures et mettre en évidence les valeurs partagées qui en découlent, rétablir l'égale dignité des cultures. Donc, véritablement, c'est ma mission aussi au sein de l'UNESCO, tout simplement parce que nous travaillons sur la réécriture des livres d'histoire, donc pour les 53 États africains. Donc c'est un travail qui va durer 4 ans, qui demande la réunion et le travail collectif de tous les historiens africains, du nord au sud, de manière à aboutir à des livres qui reflètent véritablement la réalité et qu'on puisse sortir aussi du prisme un peu colonial qu'on a connu. Alors vous voyez, toutes ces images qu'on a eu l'occasion de voir à travers l'histoire, donc ce sont des images auxquelles ma grand-mère a été confrontée, ma mère a été confrontée, ce sont des images que nous ne voulons plus voir. Parce que c'était l'époque véritablement de l'aliénation culturelle, c'est l'époque où on essaye de suggérer des complexes à des populations qui sont agressées alors que, en fait, elles n'ont jamais cherché à agresser personne, et elles n'ont jamais cherché non plus à nuire aux intérêts de personnes. Vous voyez, l'Afrique n'a jamais été conquérir l'Europe pour dire voilà, on va aller mettre les Européens en esclavage quelque part, voilà des choses même pour l'Asie, voilà des choses que vous ne retrouverez pas dans le parcours donc, de l'histoire des peuples africains. Alors, le schéma auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est quand même, je dirais, l'envie de faire perdurer certaines vieilles façons de faire. Alors, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Voilà un document qui est présenté dans les établissements scolaires aux jeunes générations. Et vous avez l'évolution de l'homme. Vous voyez l'évolution de l'homme, ici, de moins 4 millions d'années à moins 1 million d'années. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que de moins 4 millions d'années à moins 1 million d'années, quand vous regardez les crânes, qui sont des crânes d'Homo sapiens archaïques, vous avez la localisation de tous les lieux en Afrique où ces crânes ont été trouvés. Vous voyez, vous avez Éthiopie ici, Afrique de l'Est, Afrique subsaharienne, donc Homo rudolfensis, Afrique de l'Est, vous voyez, Afrique du Sud, pour le Tchad, ici, Éthiopie, Tanzanie, enfin, toutes les localisations où ces crânes ont été trouvés. À partir du moment où on arrive à moins 1 million d'années, jusqu'à zéro, donc là nous arrivons vraiment à l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, qu'est-ce que vous constatez? Alors que ces crânes ont été trouvés en Afrique, eh bien, la localisation africaine a disparu. Là, ça devient l'Espagne. Là, ça devient l'Asie de l'Est, l'Ancien Monde, Europe, Asie de l'Ouest et l'Homo sapiens, monde entier. Alors que vous savez très bien que le crâne de l'Homo sapiens a été trouvé donc, par le professeur au Kenya. Vous voyez, donc c'est un professeur anglais, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, son nom m'échappe. Mais toujours est-il que ce qui est extraordinaire, c'est cette propension, en fait, à sortir l'Afrique du cadre de l'apparition de tout ce qui représente la modernité. Voilà la problématique, voyez. Alors que ce crâne a été trouvé, donc c'est le crâne de Homo 1 qui a été trouvé donc par le professeur Lecky, voyez, exactement. Quand on a aussi ce genre d'images dans les manuels, ce sont des images qui ne sont pas innocentes, voyez. Voilà les choses qu'on retrouve dans certains documents qui sont présentés aux jeunes générations. Donc l'idéal aurait été, voyez, d'avoir l'évolution du même homme. C'est-à-dire on prend un Asiatique et il représente tous les stades d'évolution. On prend un Européen ou on prend un Africain, peu importe, il représente tous les stades d'évolution. Mais on voit que on a une espèce d'humanité africaine qui apparaît derrière et une humanité européenne qui représente l'homme abouti. Vous voyez, dans le cerveau d'un enfant, qui n'a pas le recul, véritablement, il y a quelque chose qui se crée, puisqu'on sait très bien qu'entre les deux, il y a une différence de boîte crânienne. Donc c'est comme ça qu'on induit un peu ces vieilles petites idées coloniales donc, qui ont circulé à l'époque donc, de l'esclavage et de la colonisation. Et ça fait partie des choses où, finalement, de telles images, c'est pas innocent quand, dans certains établissements, on utilise ce genre d'iconographie pour illustrer l'évolution de l'homme. Donc la chose qui se passe, c'est que lorsqu'on est dans le cadre, ici, de l'Afrique, et qu'on parle de l'évolution des hommes, vous avez une période où on a des hommes qui sont ce qu'on appelle l'homo sapiens archaïque. C'est-à-dire que dans le stade d'évolution, ce n'est pas l'homo sapiens sapiens, c'est l'homo sapiens, donc il est homo habilis, il marche sur les deux jambes, mais il n'est pas totalement moderne. Dans les documentaires qu'on voit, très souvent, le cadre géographique de cet humain est l'Afrique. On voit le Kilimandjaro, vous voyez, voilà des documents officiels, ça c'était l'évolution de l'homme, un documentaire qui est passé sur France 2, et on voit que le cadre de cet homme-là est l'Afrique, donc ça nous renvoie à l'univers de Lucie. La chose qui se passe, c'est que l'homme moderne est aussi issu du même cadre. Et dans le documentaire, à partir du moment où on va aborder l'homme moderne, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme moderne, vous voyez, on va essayer de trouver une différenciation, je dirais, entre cet homme-là, donc ce crâne de l'homo sapiens archaïque, et ce crâne de l'homme moderne. Qu'est-ce qui s'est passé très simplement? Je vais vous l'expliquer. On fait des fouilles en Afrique, on trouve ce crâne qui représente un homme, donc archaïque, un homo sapiens archaïque, et à 10 cm de ce crâne, on va trouver le crâne d'un homme moderne. Quand c'est l'homo sapiens archaïque, personne ne discute, on le représente noir avec les cheveux grébus. Mais à 10 cm du même crâne, on trouve un homo sapiens moderne, comme par hasard, il n'a plus le phénotype africain. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'idéologie. Et c'est à ça que nous sommes confrontés, je dirais, chaque fois qu'on parle de science, on raconte, je dirais, un peu n'importe quoi. Parce que vous comprenez aisément qu'ayant eu le même cadre environnemental, les deux, qu'ils soient archaïques ou qu'ils soient modernes, les deux sont noirs. Ce qui est une évidence mathématique, puisque, je dirais, la mélanine permet justement d'éviter d'avoir la détérioration de la peau à partir des rayons ultraviolets. Et là, comme on est en Afrique, en plein cœur de l'Afrique qui plus est, il faut de la mélanine, puisque tous les animaux à sang chaud ont forcément de la mélanine pour pouvoir résister donc, aux rayons, à la puissance des rayons ultraviolets. Mais tout ça, en fait, a pour but, vous le voyez, à l'époque des expositions coloniales, de rester dans le cadre paradigmatique de ce qui a été fait au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, avec tous ces penseurs qui avaient des vues négatives sur l'humanité africaine et qui essayaient toujours de déprécier l'image donc des peuples africains, des populations africaines. Et ça donne ceci, vous voyez, un peu sur Internet, donc cette évolution en Europe, où l'homme est parti du singe, on voit qu'il est informaticien. Et vous voyez, donc, au niveau du Japon, il est devenu donc, une espèce de robot. Mais au niveau de l'Afrique, il est parti du singe, il est juste devenu un grand singe. Vous voyez? Et c'est ce que ça nourrit, finalement. Vous voyez? Parce que tout ça a un but. Tout ça a un but, c'est déprécier l'image. Alors, vous voyez, vous savez, c'est très compliqué d'être en liberté et d'être en prison en même temps. Parce que quand on a détruit votre image, on a détruit votre liberté. On a détruit votre capacité d'être en phase avec les autres. Parce que, je dirais, nous ne sommes pas simplement, nous, en tant que personnes d'ascendance africaine, victimes. Mais l'asiatique est victime, comme l'européen est victime, les gens sont victimes parce qu'ils sont de bonne foi, et on leur montre des documents qui sont des documents erronés. Alors, le problème, c'est que quand on est en milieu scolaire, voilà comment on va témoigner, finalement, de cet apport des Noirs, généralement, à l'humanité. On va vous dire, voilà, on a eu un grand footballeur, c'était Pelé, vous voyez, donc Pelé, le roi du football. Ensuite, on a eu un grand boxeur, c'était Mike Tyson, vous voyez, donc voilà, donc ceux qui sortent, on a eu un brun basketteur, Michael Jordan, et un grand joueur de trompette, Louis Armstrong. À part ça, c'est tout. Voilà, on dit, voilà, les gars, donc, les sportifs et les musiciens. De grands sportifs, de grands musiciens, au-delà, c'est tout. C'est-à-dire c'est une humanité qui est née pratiquement sans cerveau. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça, parce que ce n'est pas faire honneur à l'humanité, puisqu'il ne faut pas oublier que nous descendons tous d'un même génome, qui est le génome africain. Et puis il faut sortir de ce cadre-là, parce que nous vivons tous sur la même planète, et il faut s'en rendre compte que la planète est quand même un être vivant, et la planète ne peut pas supporter tous les égarements que, en matière d'idées que nous produisons, puisque notre destruction entraîne inexorablement la destruction de la planète aussi. Donc l'Afrique, berceau de l'humanité, qu'est-ce que dit la science? Voilà, c'est ce qui est important. La science dit, voyez, donc que l'homo sapiens sapiens, donc voilà le crâne de Homo 1, donc c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, est un homme qui est né en Afrique. Très clairement. Donc le professeur Berhan Ashfo, en 2003, a fait des fouilles, il a trouvé le crâne de l'homo sapiens idaltu, ce qui a amené le professeur Yann McDougall à redater le crâne Homo 1, donc en 2005. Et quelles sont les conclusions de cette datation? L'homme moderne est né en Afrique il y a près de 200 000 ans, avant l'ère chrétienne. Vous voyez, donc 200 000 ans avant l'ère chrétienne, donc vous voyez, 195 000 ans avec plus ou moins 5 000 ans, donc pratiquement 200 000 ans, l'homme moderne, comme vous et moi, apparaît en Afrique. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que ce qui est important dans cet homme moderne, c'est que c'est un homme moderne, c'est pas un homme mi-homme, mi-singe. C'est un homme moderne, c'est-à-dire un homme comme vous et moi. Donc, de la même façon qu'on a fait la reconstitution de Lucie, c'est important de faire la reconstitution de l'homme moderne, de manière à faire en sorte que les jeunes puissent voir que c'est un homme moderne qui est né. Puisque quand on parle de l'évolution, les jeunes voient Lucie. Mais Lucie, c'est une étape intermédiaire qui a permis d'aboutir, je dirais, entre guillemets, au résultat final, mais le résultat final est aussi africain. Donc, il faut pouvoir en témoigner. Donc, il y a des revues internationales, vous voyez, comme la revue Nature, qui a témoigné que, en fait, le représentant, homme-femme, de toute la variété humaine, ah ben, c'est un homme, c'est une femme qui venait d'Afrique. Donc vous voyez que quand on fait de la science, la possibilité de partir dans des théories racistes et compagnie est nulle. Vous voyez, elle est nulle. Voilà, c'est aussi simple que ça. La science, à chaque fois qu'on colle à la science, toute possibilité d'égarement est nulle. Parce que la science ne permet pas les égarements. C'est véritablement la recherche de l'équilibre harmonieux, c'est ça la science, et la science ne permet pas les égarements. Alors, chose importante, vous comprenez que cet homme, donc c'est lui qui est né en Afrique, donc vous voyez dans la région ici des Grands Lacs, et qui va quitter l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, cet homme, c'est le premier à être arrivé en Amérique du Sud, vous voyez notamment, et tenez-vous bien, l'arrivée est quand même assez fulgurante, parce que nous ne sommes pas en moins 16 000, comme on le dit ici pour les personnes, donc les hommes qui sont passés par là et qui étaient les Indiens, nous sommes en moins 50 000. Vous voyez, moins 50 000 à 60 000 ans, vous avez déjà donc des hommes qui vivaient au Brésil. Et c'est justement, vous voyez, c'est Annick Perrault-Labelle, sur cyberscience.com, donc Cyberscience, donc une publication canadienne, qui a montré que 6 crânes intacts découverts au Brésil suggèrent que les Africains aurait colonisé l'Amérique, voyez, bien avant qu'apparaissent les Indiens d'Amérique. Voyez, et les datations, donc pour vous montrer le lieu, voyez, donc voilà le lieu, donc Petra Forada, pour savoir véritablement le nom géographique de cette région, c'est Petra Forada. Donc si vous faites Petra Forada sur Google, vous allez retrouver donc cette région. Et chose importante, les datations ont été faites par deux laboratoires, un laboratoire français de Gif-sur-Yvette en 1985, et un laboratoire australien en 1999. Donc on sait que des hommes ont quitté l'Afrique pour venir par bateau occuper l'Amérique. Comment on sait qu'ils sont venus par bateau? Tout simplement parce que sur les murs, on a la première représentation d'un bateau connu dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est la plus ancienne. Les peintures représentent des tatous géants. Bon, c'est une espèce animalière qui a disparu. Et la plus ancienne représentation d'un bateau dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, donc on sait que ce sont des gens qui sont venus par bateau et ils ont laissé beaucoup de preuves de leur présence, vous voyez, notamment des peintures rupestres et compagnie. Donc, chose importante, donc voilà encore, vous voyez des murs qui ont été peints par ces personnes. Donc c'est vraiment très très ancien puisque c'est moins 50 000 ans, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc ici, vous avez le professeur Ivan Van Sertima qui était le spécialiste de la présence des Africains en Amérique. Là, vraiment, s'il y a un académicien qui a travaillé toute sa vie sur la question, c'est bien ce monsieur. Ce monsieur a fait le tour du monde, il a fait des conférences partout, il a montré qu'effectivement, on ne peut pas nier scientifiquement parlant que les Noirs ont occupé l'Amérique avant l'arrivée de tous les autres habitants, et il y a une collaboration entre les Noirs et les Indiens. Donc, Par exemple, si nous prenons la civilisation de Mésoamérique au Mexique, ce qu'on appelle les Olmecs, donc ces Olmecs qui ont développé donc, une civilisation qu'on appelle généralement la civilisation du caoutchouc, voyez, donc ces Olmecs ont construit des têtes où on dit que les Noirs ont la particularité d'avoir le nez épaté et les lèvres épaisses. Je vous garantis que cela, au championnat du monde des nez épatés et des lèvres épaisses, moi j'y vais pas, parce qu'ils me battent. Vous voyez, là ils me battent à plat de couture. Là vraiment, vous voyez, ce sont des têtes de 3 tonnes. Et la particularité, c'est que les gens portent des casques. Donc la possibilité de dire qu'ils ont été importés ou déportés là-bas, non, elle est nulle, parce que les casques étaient portés par les rois et les grands dignitaires et les divinités. Vous voyez? Donc ces têtes-là sont là jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne vous cache pas que malheureusement ces têtes se trouvent sur un territoire où il y a du pétrole. Donc comme il y a du pétrole, bon, elles ont un peu souffert. Parce qu'il a fallu les expulser pour pouvoir construire donc, les installations pétrolifères. Mais toujours est-il que, vous voyez, on a la preuve, donc ici, de cette présence avec ces têtes, donc qui sont relativement énormes. Donc qui fait que le professeur Jomazel, qu'on a eu l'occasion de recevoir il n'y a pas très longtemps à la télévision, disait que dans Présence du monde noir, son ouvrage, on peut affirmer que des contacts ont existé entre l'ancien monde et le nouveau continent, contacts dont les Noirs n'ont pas été exclus, bien au contraire. Il y a tout d'abord dans le Golfe du Mexique ces immenses têtes, ces sculptures monumentales représentant des visages dont les traits sont manifestement négro-africains. Voyez, on peut donc affirmer que des Noirs jouissaient sur les rives du Golfe du Mexique de positions aussi imminentes que celles de rois ou de personnages divinisés. Voyez, donc là c'est un Français, Jean Mazel, donc qui dit voilà, aujourd'hui on a des preuves qui rendent impossible la possibilité de nier que les Noirs sont les premiers à être arrivés. Voyez, donc les documents sont là. Et chose importante, c'est qu'on sait que le maïs est une plante qui poussait en Amérique du Sud. Et la chose qui se passe, c'est qu'il y a des statues, donc vous voyez ici en Inde, et aussi donc en Afrique et compagnie, où les gens tiennent le maïs à la main. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'à l'époque, les gens se faisaient livrer le maïs par la poste? Un colissimo, enfin je sais pas, vous voyez, bon, parce que s'ils tiennent le maïs à la main, c'est que quand même ils ont été en Amérique du Sud, et qu'ils sont revenus, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a un professeur qui s'appelle le professeur Johansen, qui dit à tout le monde, bon il faut quand même arrêter la plaisanterie, moi j'ai fait des photos de plusieurs statues qui tiennent le maïs à la main, et ces statues sont en plein cœur de l'Inde, en plein cœur de l'Asie, en plein cœur de l'Afrique. Donc il faut quand même admettre que beaucoup de populations, pas seulement l'Afrique, mais d'autres populations aussi, avaient l'opportunité d'aller en Amérique du Sud et de revenir. Voyez, donc ça c'est véritablement sa contribution pour montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors, chose importante, cet homme donc, qui va quitter l'Afrique et qui va aller peupler le reste du monde, ben, naturellement quand il va partir, il sera noir. Voyez, donc c'est pour ça que toutes les populations, voyez, d'Inde, d'Asie et compagnie, ben, quand vous remontez le temps, ces populations étaient noires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est tout simplement le climat, c'est quand même quelque chose de merveilleux. La possibilité qu'on a de s'adapter au climat, de ne pas conserver la monaline si on n'en a pas besoin parce que le soleil n'est pas aussi intense que dans les régions chaudes. C'est vraiment quelque chose de très basique, il n'y a pas de quoi en faire des tartines. Donc qui fait que, vous voyez, ces individus donc, qui ont successivement créé des civilisations, Mohenjo Daro, Harappa, vous voyez, ben, quand on voit par exemple ici les coiffures sont typiquement africaines avec les tresses, les locks, vraiment, on est dans l'univers typiquement négro-africain, puisque les gens, bon, les Indiens sont restés avec le teint plutôt foncé, mais les Chinois sont devenus plutôt clairs de peau. Et pourtant, vous voyez, quand on regarde les ancêtres des Chinois, vous voyez, ça c'est l'arrière-grand-père de Jackie Chan, vous voyez, ben, il est un peu plutôt foncé. Vous voyez, l'arrière-grand-père de Jackie Chan. Donc, vous voyez, tous ces peuples-là, on a beau chercher, la science reste la science. L'homme, quand il est né en Afrique, il était noir, il a été conquérir donc les diverses régions du monde en tant que noir, c'est tout, voyez. Et puis au fur et à mesure avec le temps, ben, n'ayant plus besoin de la mélanine, donc il s'est éclairci. Et vous avez jusqu'à présent, regardez une chose extraordinaire, ces peuples-là que vous retrouvez jusqu'à aujourd'hui en Inde, ce sont les Jarawa, donc qui sont partis de l'Afrique il y a très très longtemps et qui sont eux dans les régions les plus au sud. Donc qui ont gardé vraiment leur culture africaine. Vous avez les gens en Australie, les aborigènes. Et chose qu'on montre, donc les gens de Papouasie, mais chose qu'on ne montre pas souvent malheureusement à la télévision, c'est que vous avez une variété humaine qui a le phénotype des deux. C'est-à-dire qui a les cheveux blonds, les yeux bleus, tout en étant noir. Pourquoi? Parce que ces peuples-là, au départ, sont remontés au nord et après sont redescendus dans le sud. Mais comme ils sont remontés au nord, ils sont restés longtemps, donc ils ont eu le temps de s'acclimater, et après ils sont redescendus dans le sud, donc il y a eu un, je dirais, un chemin en sens inverse, entre guillemets. Mais le fait d'avoir eu ce séjour vers le nord et d'avoir repiqué vers le sud, ben ça fait que les enfants ont l'air d'être métis alors que les parents sont noirs. Voyez, donc ça donne une population qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont véritablement les traits caractéristiques des deux variétés humaines. La variété européenne, blonde aux yeux bleus, et la variété africaine. Vous voyez, donc ça, on les retrouve notamment sur les îles de Salomon et compagnie. Donc c'est vrai que, je dirais, ces gens permettent de montrer comment, finalement, il y a une seule filiation dans l'humanité et que tous les hommes descendent de la même mère et du même père. Donc ils sont partis de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, vous voyez, lorsqu'on parle de la Grèce antique, voilà un chapitre qu'on ne soulève jamais, ou on soulève très peu en tout cas, et c'est le professeur John Boorman en Angleterre qui l'a soulevé, c'est en fait l'arrivée, vous voyez, des Européens en Europe. Alors, ça mérite quand même qu'on comprenne la thématique. Vous savez, quand on parle des Européens, on dit Indo-Européens. Donc ça veut dire que tout le monde reconnaît que les Européens ne sont pas originaires du continent européen, ils sont originaires donc de l'Asie, vous voyez, et d'Asie ils sont partis, donc aux alentours du 3e millénaire, pour arriver donc sur le continent européen. Bon. Donc si les Européens ne sont pas originaires du continent européen, le continent européen n'était pas vide pour autant, il y avait des populations qui vivaient là, et les populations qui vivaient là étaient des populations africaines. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand les Européens ont quitté l'Asie, sont arrivés sur les côtes de la Phénicie et sont rentrés en Grèce, comme il y avait des Noirs qui vivaient là, ils se sont métissés. Et c'est pour ça que les premières sculptures, donc ce qu'on appelle la proto-histoire de la Grèce, voyez, les premières sculptures qui ont été réalisées par ces gens à partir du moment où ils ont eu la notion de la maîtrise de l'art de la sculpture, vous regardez vous-même les têtes sont métissées. Voyez, je vous laisse regarder. Vous avez les statues qui sont dans les musées, musée du Louvre, musée du British Museum, vous avez les statues un peu partout, les têtes sont nettement métissées, c'est-à-dire que, en fait, l'histoire de l'Europe a commencé par un métissage avec les populations qui étaient déjà implantées localement. Voyez, donc toutes ces structures, donc ces sculptures, voyez, avec les tresses qui sont le long du côte, donc c'est le Kouros de Thèbes, ce sont vraiment les statues, c'est les statues les plus importantes de la Grèce antique. Donc vous voyez que les personnages ont un phénotype qui se rapproche beaucoup de l'univers africain avec les tresses africaines. Alors il y a une étude qui a été réalisée en 2000, et cette étude a voulu en fait essayer de comprendre, de chercher, mais est-ce que c'est fondé véritablement? Et là, l'étude ADN a montré quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, pendant plusieurs années, des chercheurs ont fait les prélèvements à travers toute la Méditerranée. Et là, vous avez, vous voyez, les Marocains, les Français, les Italiens, enfin tous les peuples de la Méditerranée sont ici. Ici, vous avez donc au niveau de l'Afrique les Bushman, donc les Sénégalais et les Noirs sud-africains. Et là, regardez, vous avez les Fulani, vous avez les Amra, les Oromo, les Rimbe, les Maasai, donc les peuples donc, de l'Afrique subsaharienne, au niveau du Soudan notamment. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Vous avez les Grecs Agéens, les Grecs Attiques et les Grecs Cypriens. C'est-à-dire que bien que les Grecs soient vraiment totalement européens de l'extérieur, eh ben, ils ont un ADN qui est extrêmement proche de l'ADN des Maasai, des Fulani et compagnie. Voyez, donc c'est pour ça que l'étude qui a été faite en 2000, comme vous pouvez le voir ici, voyez, il a été prouvé que les Grecs partagent donc les mêmes séquences d'ADN que les Africains subsahariens, ce qui les sépare des autres groupes de la Méditerranée, voyez, from other Mediterranean groups. Les deux groupes humains, donc les Grecs et les Éthiopiens, partagent pratiquement les mêmes séquences spécifiques d'ADN. Et regardez la liste, elle est relativement longue, cette liste de séquences ADN, pour montrer justement cette proximité qu'il y avait, voyez, au début de la civilisation européenne avec l'époque des Grecs. Alors, ça donne ceci, voyez, parce que, donc voilà les deux régions pour vous montrer, voyez, les éléments de l'étude. Vous avez cette région-là, donc la région de la Grèce. On retrouve cet ADN qui est l'ADN des peuples qui vivent donc juste après le Sahara. Donc c'est pour vous dire que dans l'Antiquité, il y avait des populations qui étaient tout simplement remontées le long de la vallée du Nil, qui avait fondé la civilisation égyptienne, mais qui avait continué et qui s'était installé ici. Et quand les Européens sont venus pour s'implanter là, ben, ils se sont mixés avec les populations noires qu'il y avait un peu partout en Europe, notamment au niveau de la Grèce. Et c'est pour ça que toutes les statues qu'on appelle les kouros, les fameux kouros grecs, sont des têtes métissées. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a, je dirais, le petit parallèle avec Agathe Cléry, qui est ce fameux film où cette femme, elle est devenue noire. Ah bon, parce que dans sa vie, c'était un élément, je dirais, une altération de la peau. Et elle est devenue noire, donc, et elle a dû finalement, elle a découvert une nouvelle vie qui était quand même assez riche. Donc voilà toutes ces statues. Ces statues, nous les devons à John Boardman, voyez, qui est archéologue anglais, et qui vous montre, voilà, ces statues qui ont été sculptées par les Grecs à l'époque où, véritablement, le métissage grec était quelque chose de fort, avec les tresses et compagnie. Et, vous voyez, regardez ici, on a presque l'impression d'avoir un Jackson 5, vous voyez, avec la coupe afro. Non mais c'est extraordinaire. Un Jackson 5 grec, vous voyez, là c'est puissant. Donc, on voit que, vous voyez, la façon dont les cheveux ont été représentés, non, là on est vraiment dans quelque chose, et c'est un grec, vous voyez, ce monsieur est totalement grec, mais il est vraiment phénotypé africain. Et vous avez ici, donc, des sculptures, notamment une reine ici, donc qui est représentée avec ses tresses. Et quand on est à l'académie, quand on est à l'université, qu'est-ce qu'on montre sur la Grèce? Eh bien, généralement, on montre ceci. Uniquement la période dite classique. Voyez? Donc toute la période avant, c'est-à-dire la mère et la grand-mère de ces femmes, ben, sont un peu passées sous silence, et on montre ces femmes-là, mais là nous sommes dans la période dite classique. Là c'est beaucoup plus tard qu'on se retrouve véritablement avec des... tout simplement parce qu'il y a eu des apports de nouveaux arrivants, et comme la partie africaine diminuait, ben, le phénotype européen a repris le dessus. Mais vraiment, c'est tardif. C'est-à-dire que, vous voyez ces statues, vous voyez la différence au niveau des cheveux. Hein, il n'y a plus de tresses, hein, il n'y a plus le phénotype qu'on avait au début. Donc, entre les anciennes statues et ces statues-là. La chose, c'est qu'on présente ces statues-là comme étant des statues qui ont toujours été à l'origine. Non, ce sont des statues qui sont arrivées. Donc, c'est un phénotype qui est arrivé après. Lors de l'introduction en Europe, il y avait donc le métissage. Donc, l'Afrique, berceau de la civilisation. Et là, véritablement, vous voyez... Dans la grotte de Blobos, on a trouvé un phénomène qui est extraordinaire, qui a montré que l'intelligence est apparue dans l'histoire de l'humanité en Afrique. Alors là, c'est le journal Le Monde, vous voyez. Quand Homo sapiens jouait les artistes en Afrique du Sud, donc ça date de 2002, où on montre que la grotte de Blobos révèle que finalement, contre toute attente, c'est-à-dire tout le monde était convaincu que les hommes étaient devenus modernes, intelligents, culturellement avancés, lorsqu'ils étaient arrivés en Europe, donc notamment à cause des grottes de Lascaux et de grottes de Chevet, et on découvre en Afrique une grotte qui a pratiquement 80 000 ans, vous voyez, donc moins 80 000 ans, avec une pierre extraordinaire qui est cette pierre-là, où on a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des tracés de géométrie qui sont des tracés réguliers. Donc là, on sait que pour pouvoir faire de tels tracés, l'homme a dû faire appel à son intelligence. Donc, le résultat est que le professeur Christian Chilwood, vous voyez, qui a fait les fouilles, donc a statué sur le fait que l'émergence de l'intelligence dans l'histoire de l'humanité est un fait qui est survenu en Afrique 50 000 ans avant l'arrivée de ces Homo sapiens en Europe. Vous voyez, donc la thèse de la révolution culturelle des Homo sapiens sapiens a volé en éclats à partir de ce document-là. Donc il fait que, vous voyez, ce triangle a été modélisé après en Afrique pour aboutir... donc à la pyramide, donc qui a été véritablement, donc ce triangle a été fait en volume. Et chose importante, c'est que la pierre qui a été découverte 12 ans auparavant a servi, très probablement, on dit certains chercheurs, à élaborer le GPS. Voyez, puisque le tracé que vous avez sur le GPS est identique au tracé que vous avez sur la pierre, qui est le système de triangulation, et on retrouve les mêmes triangulations sur la pierre. Donc chose importante, c'est que quand vous prenez la revue Sciences humaines, voyez, donc qui est le numéro d'avril 2002, eh bien on constate que toutes les innovations de la préhistoire sont en réalité des innovations africaines, que ce soit les couteaux de pierre, les meules, l'utilisation de préparation de pigments, tous ces faits ont une avance entre 200 à 50 000 ans avant donc le premier fait identique en Europe. Voyez, donc c'est-à-dire que vous voyez ici, si on prend la base que l'homme moderne est apparu en moins 200 000, les couteaux de pierre en moins 280 000, on retrouve déjà en Afrique des couteaux de pierre, voyez. Donc c'est ce qui emmène les chercheurs, donc notamment les chercheurs américains, à conclure que la révolution culturelle des hommes modernes a eu lieu sur le sol africain, et la révolution culturelle européenne, ben, il faut maintenant jeter cette thèse aux oubliettes parce qu'elle n'est plus recevable scientifiquement parlant. Tout ça, ça remonte seulement à 2002. Vous voyez, c'est pour vous dire comment tout ça, c'est relativement récent. Donc, chose importante, c'est qu'il y a une autre grotte, qui est la grotte de Pinnacle Point. Celle-là, c'est plus moins 80 000, c'est moins 164 000. En moins 164 000, toujours dans la région sud-africaine, on découvre que l'homme réalisait déjà des outils, mais mangeait aussi des crustacés. Et chose extraordinaire, c'est que pour tailler la pierre, il la faisait chauffer. Donc là, on est dans la technologie. Parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il prenait une pierre et il la taillait automatiquement. Ah ben non, les chercheurs ont montré, démontré, que en fait, la pierre était d'abord chauffée et ensuite taillée, parce que quand elle était tiède, eh ben, la taille était beaucoup plus facile. Voyez, donc là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est vraiment extraordinaire. Quand on fait de la recherche, voyez, quand on voit des choses comme ça, et qu'on a l'occasion de se rencontrer dans des congrès internationaux de scientifiques, on est vraiment sur un nuage, parce qu'on se dit, mais des choses comme ça, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on aurait pu trouver des choses qui montrent que l'homme a été aussi avancé au niveau intellectuel dans sa réflexion à une date aussi lointaine. C'est-à-dire nous sommes en moins 164 000 avec une date qui montre que l'homme est apparu en moins dans 195 000. Donc les grottes, s'il faut faire le tracé des grottes, vous avez la première grotte, celle en Afrique de Pinnacle Point qu'on a vue, moins 164 000 ans. La grotte de Blombos en Afrique du Sud toujours, moins 80 000 ans. La grotte de Petra Furada au Brésil, moins 60 000. En Namibie, grotte Apollo 11, moins 50 000. Et la grotte de Lascaux, grotte de Chauvet, moins 14 000, moins 15 000. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un professeur américain, Paul Petit, qui a démontré que les grottes ne dataient pas de moins 30 000, mais dataient de moins 15 000. Et le gouvernement français a fait des vérifications. Et ils ont vu qu'effectivement, ce professeur avait raison. Donc maintenant, les dates ont été remises à moins 15 000 pour les deux grottes, hein, puisqu'avant, c'était à moins 30 000. Alors, chose importante, concernant maintenant la numération, les mathématiques, les calculs. Vous voyez toujours un article du journal Le Monde qui dit que les mathématiques sont nées en Afrique, comme on le sait, tout simplement parce qu'on a cet os qui est extraordinaire, qui a été trouvé par un Belge, vous voyez, donc au Congo, Georges de Brocourt, qui, en faisant des fouilles en 1950, découvre donc vous voyez, un péroné de babouin avec des encoches qui montrent que l'homme, en moins 25 000 avant l'ère chrétienne, faisait déjà des équations mathématiques en Afrique. Voyez, donc cet os a été déchiffré par un astrophysicien camerounais qui est Jean-Paul Bellec, et il montre que vous avez des suites arithmétiques, des duplications, déjà en moins 25 000 avant l'ère chrétienne. C'est l'un des tout premiers documents mathématiques de l'histoire de l'humanité. Voyez, moins 25 000 ans. Et le premier est celui-là, l'os de Lemambo. Voyez, le professeur Richard Mazik, quand il a fait l'histoire des mathématiques, lui-même a attesté dans son ouvrage que le premier document mathématique de l'histoire de l'humanité, c'est l'os de Lemambo. Cet os remonte à moins 35 000, moins 37 000 avant l'ère chrétienne. Voyez, donc qui a été trouvé en Afrique du Sud, au niveau du Swaziland. Et c'est le plus ancien, voyez, lui-même le dit, le plus ancien témoignage de calcul numérique de l'histoire de l'humanité, c'est cet os de Lemambo. Donc vous voyez que quand on discute de l'intelligence africaine, il y a des faits précis qui montrent qu'il y a eu une précocité de la réflexion. Ben c'est normal, puisque cet homme est né il y a très longtemps, donc il a eu le temps, largement le temps, d'étudier la nature et d'en découvrir des lois. Si vous prenez la métallurgie, ça c'est l'étude de l'UNESCO. Officiellement, l'UNESCO a monté que si l'âge du fer est né en Europe, en Autriche, à Elstadt, aux alentours de moins 1200, l'âge du fer en Afrique, c'est moins 2900. Moins 2900 au Niger, voyez, et au niveau de l'Égypte, c'est moins 2700. Donc, vous voyez, il y a une précocité de l'utilisation du fer en Afrique. Vous avez des fonderies, donc les fonderies diverses, qu'on retrouve, y compris durant la période de l'Afrique impériale. Et tout ça a permis, vous voyez, de faire quoi? Ben, la chevalerie. Vous voyez, parce que même dans l'histoire de l'Europe, il y avait des chevaliers africains qui vivaient en Europe. Là, vous avez la chanson de Roland. Vous avez donc Roland, le neveu de Charlemagne, qui affronte le roi Massile. Et cette scène se déroule dans la forêt de Roncevaux, au sud de la France. Voyez, vous avez aussi donc les chevaliers ici du royaume Mossi, ça c'est au Burkina Faso. Ces chevaliers sont exactement comme les chevaliers anglais du Moyen Âge, avec la plume droite sur la tête, la lance rouge et blanche. Enfin, vous avez exactement la même chose. Regardez ici l'armure. Donc ça, c'est l'armure des chevaliers de Sunjata Keita, empire du Mali, qui est identique à l'armure romaine. Donc vous voyez, c'est toute cette histoire-là, qui est quand même relativement riche, qui consiste tout simplement à découvrir l'Afrique dans son génie, dans ce qu'elle a accompli au niveau de ses civilisations à travers les âges. C'est cette histoire-là qu'il faut pouvoir tout simplement regarder et apprécier d'une façon générale. Alors voilà, là c'est la Belgique qui a fait reconstituer donc un haut fourneau, et les gens ont refait le fer comme ils faisaient le fer donc, durant l'époque impériale. Donc les épées, les armures et compagnie. On a fait des fouilles aussi en Afrique de l'Ouest, toujours dans l'université de Genève. On a découvert que la faïence de l'Afrique de l'Ouest avait près de 2000 ans d'avance sur la faïence de Mésopotamie. Donc c'est pour vous dire que toute cette technologie qu'on avait au niveau de l'Afrique était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc tout ça pourquoi? Tout ça pour vous montrer que lorsqu'on parle véritablement de l'histoire de l'humanité et de l'apparition des civilisations, il faut véritablement savoir techniquement de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'en Mésopotamie, si en moins 2800, on a des chefs de village pour lesquels on ne peut pas identifier les noms, puisqu'il n'y a pas vraiment d'écriture, véritablement à l'époque, on commence à identifier, vous voyez, en moins 2700, ils sont toujours des patéchis anonymes. C'est à partir de moins 2600, donc proto-dynastique 3, qu'on a 12 rois identifiés. C'est-à-dire à partir de moins 2600, on peut dire, voilà, en Mésopotamie, il y avait un roi qui s'appelait tel nom. Quand vous prenez l'Afrique, vraiment regardez, en moins 3760, 3740, vous avez la dynastie des pharaons qu'on appelle les Semchouhor, les suivants d'Horus. Et tous ces gens-là ont déjà un nom. Voilà le fond du problème. Tous ces gens ont déjà leur nom. Ni-Hor, Ak-Hor, Iri-Hor, Ka, Scorpion. Donc vous voyez que venir discuter de la précocité de la Mésopotamie par rapport à l'Afrique, nous on est obligé de sourire. Parce que vraiment, on se demande mais sur quelle base scientifique on s'appuie pour pouvoir dire que la Mésopotamie a éclos avant l'Afrique, alors que l'homme est né en Afrique. L'homme est né en Afrique, c'est d'une logique mathématique que l'Afrique ait connu le développement intellectuel avant la Mésopotamie. Voyez. Donc du coup, vous avez un roi en particulier qui est resté à travers l'histoire, qui est le roi Narmer, qui est le roi soudanais. C'est lui qui a fondé la civilisation égypto-nubienne, donc on appelle l'Égypte ancienne aujourd'hui. Vous voyez, quand on en parle, on dit un fondateur au trait négroïde. Bon, ça c'est un terme que nous n'aimons pas, parce qu'on ne dit pas blancoïde, on ne dit pas caucasoïde, on se demande pourquoi on dit dans les documents scientifiques négroïde. Vous voyez, il suffit de dire noir, c'est tout, ou africain. Vous voyez, il y a des termes pour le dire. Et c'est lui qui a inauguré dans l'histoire de l'humanité la construction monumentale. Alors vous allez voir ce que ça donne. Le professeur ici, Bernadette Medu, reconnaît que, vu l'utilisation des totems, la civilisation qui a fondé l'Empire égyptien, c'était une civilisation africaine. Elle-même, elle le dit, issue de clans de lignage originaire du Sud et purement africain. Donc elle-même, elle le reconnaît, ces populations sont africaines. Et elle dit, à cause du totémisme, parce que ce totémisme, on le retrouve partout en Afrique. C'est-à-dire, on prend un animal qui devient le totem donc du village, le totem de la ville, le totem du clan, l'hippopotame ici, l'aigle, voyez. Donc, cette façon de prendre, par exemple ici au Nigeria, le bélier, donc c'est exactement la même chose qu'on retrouve au niveau de l'Égypte ancienne. Vous avez le Nigeria, l'Égypte ancienne, une similitude de fonctionnement, et c'est là que les chercheurs statuent en disant que cette civilisation était vraiment une civilisation africaine. Donc vous avez ces liens de parenté avec l'Uréus, ici la partie donc, de la période pharaonique et la partie de l'époque impériale avec le Bénin et l'Oba du Bénin, où vous avez donc, cet Uréus qu'il a, donc l'Uréus de protection qu'il a devant le front, et les sceptres, donc qui sont les sceptres royaux que tiennent les rois. Et chose importante, c'est qu'on voit que c'est une population qui est venue du sud de l'Afrique, au plein cœur, et qui a remonté le Nil, vous voyez, ici, en moins 4500, ici, en moins 4000, vous voyez, elle commence à peine à arriver, et à partir de moins 3000, vous voyez, là, on a les premières implantations dans le delta. Donc on voit bien que c'est une population africaine qui est partie du cœur de l'Afrique et qui a suivi le Nil pour pouvoir créer la fondation, la civilisation égypto-nubienne. Voilà ce que disent les fouilles archéologiques. À partir de là, quand on demande mais qui a fondé l'Égypte antique, ben, on sait très bien qui est-ce qui a fondé l'Égypte antique. La population africaine qui venait du fin fond de l'Afrique s'appelait les Hanou. Vous voyez, leur nom s'écrit avec le pilier You. Voyez. Maintenant, quand vous prenez la ville d'Héliopolis que vous avez ici, Héliopolis c'est le nom grec de cette ville. Mais le nom africain, c'est Yeuno. Et comment s'écrit Yeuno? Vous voyez, Yeuno s'écrit avec le pilier You, c'est-à-dire le même pilier que vous avez ici, vous le retrouvez là, et regardez, le même pilier là, vous le retrouvez là. En fait, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont pris tout simplement le premier symbole de leur nom, avec notamment le vase, regardez, le You et le Nou, et ils ont écrit le nom de toutes les villes. C'est un peu comme si, vous voyez, une population qui s'appelle Omotunde, créée Omotunde sur Oise, Omotunde sur Seine, Omotunde de Forêt, Omotunde du Bois, et on se demande, mais c'est qui les gens qui ont fait ça? Ben, c'est les Omotunde. Ça servait à quoi qu'on mette Omotunde partout? Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est mathématique. Dendera se trouve ici, vous voyez, dans tous les grands centres urbains, ben, porte le nom tout simplement de cette population qui a tout simplement pris les premières graphies hiéroglyphiques de son nom et les a affectées à la création des villes. Donc voilà comment on sait que c'est eux. Et vous voyez une photo que j'ai faite, vous voyez, on retrouve le pilier You ici à Dendera sur donc un pilier de pierre massive. Donc chose importante, voilà comment fonctionne finalement cette falsification, c'est-à-dire que alors dans le tombeau de Pharaon, les Égyptiens sont représentés noirs. Après vous avez les peuples donc les peuples sémites donc d'Arabie, vous avez les noirs donc qui étaient du sud véritablement et les Européens que vous avez ici, les Indo-Européens. Vous voyez? Ah ben, dans les manuels scolaires, dans certains pays européens, on se retrouve avec ceci, c'est-à-dire que, vous voyez, les Égyptiens ont été javelisés. Vous voyez? Je sais pas. Ils sont tombés dans un bac de javel à ce moment-là, boum, ils sont sortis tout blancs. Même les cheveux ont subi le même traitement. Vous voyez? Les autres, ils ont échappé au javel, sauf les cheveux hein, quand même, hein, mais ils ont pu échapper au javel. Mais toujours est-il que, vous voyez, c'est sur la base de faux documents qu'on bâtit l'histoire de l'humanité. Donc tout ça, je dirais, c'est pour vous tromper, pour nous tromper, pour tromper un peu les gens qui sont de bonne foi. Et ça, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête de faire des choses pareilles. Donc voilà la photo que j'ai faite moi-même dans le tombeau. Vous voyez, voilà la photo, on ne peut pas faire mieux. Voilà, tout simplement, voilà ce qu'on appelle l'Égyptien ancien. On ne peut pas faire mieux, là c'est une photo authentique. Et je peux vous dire que pour aller faire la photo, j'ai dû braver quand même quelques soucis. Parce que c'était interdit d'aller devant ce truc, mettre les pieds. Il a fallu que je négocie avec les gardes pour pouvoir aller faire la photo. Et voilà la photo de l'Égyptien ancien. Vous voyez, Remetou, c'est l'Égyptien, vous voyez bien qu'il est africain. Bon, donc... Maintenant, le testament des Grecs. Les Grecs ont été en Afrique à l'époque des Égyptiens. Ils les ont vus, ils ont mangé ensemble, ils ont discuté, ils ont fait du sport. Donc Hérodote dit, les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. On ne peut quand même pas être plus précis. Et ici, Aristote dit, ceux qui sont excessivement noirs, ceci s'applique aux Égyptiens, aux Éthiopiens. Donc Agamemnanès, voyez, ceux qui sont excessivement noirs. Donc pour tous les Grecs, les gens qui vivaient en Égypte étaient des Africains, comme tous les Africains. Vous voyez? Donc voilà le testament. Et les gens dont on parle, ce sont ces gens-là. Vous voyez? Ce sont des gens, vous voyez, voilà une jeune fille aujourd'hui de la Martinique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cette jeune fille. Alors, on ne la voit pas très très bien parce que ça a été un peu coupé, mais vous voyez, c'est pratiquement le même faciès. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire de voir cette continuité donc culturelle, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, les tresses africaines ont commencé en Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes se coiffent avec des tresses. Enfin, les coiffures sont les mêmes. Je dirais vraiment, l'environnement culturel est resté le même. Alors, Jean-Pierre Vernant, qui était the monsieur of the Grèce antique en France. Bon, il est décédé, mais c'était le pape de la Grèce antique en France. Vous voyez? Et lui-même a écrit, dans Mythes et Pensées chez les Grecs, au début du VIe siècle, avant l'ère chrétienne, la pensée astronomique en Grèce ne repose pas encore sur une longue suite d'observations et d'expériences. Elle ne s'appuie pas sur une tradition scientifique établie. Dans la Grèce archaïque, il n'y a pas encore de science constituée. Les Grecs ont donc utilisé des observations et des expériences que d'autres avaient mises au point. Et ces autres-là, c'étaient les Africains. Vous voyez, les expériences, les techniques que les Grecs ont utilisées pour bâtir leur civilisation, c'était les expériences et les techniques qui avaient été créées et inventées par les Africains. Les Européens sont arrivés à ce moment-là, ils ont eu la chance extraordinaire d'avoir une civilisation très avancée, juste à côté. Ben, ils ont puisé dans cette civilisation les éléments qui leur ont permis, donc tout simplement, de grimper. Alors, Jean-François Champollion, donc, qui est quand même pour nous très important, puisque c'est lui qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Quand il est rentré dans le tombeau des rois, lui-même dit qu'à cette époque-là, vous voyez, les Européens n'étaient pas encore civilisés, on est en 1580 avant l'ère chrétienne, donc qui est la période de l'arrivée de l'Europe, donc de l'arrivée des Européens en Europe, et lui-même le dit, vous voyez, j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens qui à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas trop belle figure dans le monde. Donc ce qui est important, en fait, au niveau de la science, puisqu'il y a bien un début à tout, c'est le fait d'avoir la première représentation des Européens dans l'histoire de l'humanité, ben, c'est dans un tombeau de Pharaon, le tombeau de Séti Ier de Ramsès III en Afrique. Vous voyez, les plus vieilles représentations des Européens dans l'histoire de l'humanité, de l'aveu de Jean-François Champollion, eh ben, c'est en Afrique qu'on les retrouve. Donc vous voyez qu'il y a des traces de l'arrivée des gens donc à ce moment-là. Donc voilà la représentation, vous voyez, qui a été faite par Jean-François Champollion et qui a été ramenée au Collège de France à Paris. Voilà. Donc Platon maintenant, vous voyez, quand il parle des mathématiques, de la géométrie et de l'astronomie, dans un texte qui est celui des lois, il dit, en faisant parler deux vieillards, « Ô cher Clignat, c'est tardivement qu'on m'a enseigné à moi-même, donc on m'a révélé à moi-même notre habituelle déficience à cet égard, j'eus honte non seulement pour moi-même, mais pour toute la race hellène. » C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit Platon? Platon dit tout simplement que, véritablement, c'est tardivement qu'ils ont eu accès à ce que c'est que les mathématiques, la géométrie et compagnie. Alors, vous allez voir Solon ici, de l'aveu de Platon, quand Solon s'est rendu en Égypte, Solon qui discutait avec les prêtres égyptiens, et Platon raconte dans le Timée, comme Solon interrogeait un jour sur les antiquités des prêtres les plus versés en ces matières, il avait découvert que ni lui, ni aucun autre grec, ne savait pour ainsi dire à peu près rien sur de tels sujets, et donc il a supplié les prêtres de lui raconter l'histoire de ses concitoyens d'autrefois. Donc, pour comprendre l'histoire très simplement, comme l'Égypte avait des postes avancés, qui notaient tout ce qui s'était passé dans la journée, donc ça constituait les annales donc des peuples du Proche-Orient et de l'Europe, donc il a eu accès à ces annales-là pour pouvoir tout simplement raconter l'histoire de l'arrivée des Européens donc en Europe, et c'est les documents africains, les documents donc de l'Égypte qui ont été utilisés. Regardez Hérodote, il dit, les Égyptiens avaient les premiers découvert le cycle de l'année réparti sur 12 mois et le cours des saisons, ceci en se basant sur les astres. C'est le fait de faire les fêtes de fin d'année, nous allons le voir plus loin, ben c'est une invention aussi de l'Égypte antique. Et Strabon, donc qui donne le fin mot de l'affaire, si le monde doit savoir combien de jours il faut rajouter, voyez, pour avoir une année complète, eh ben, il le dit Strabon, donc là, il le dit dans Géographie, livre 17, les Grecs ont ignoré la durée vraie de l'année et bien d'autres faits de même nature, jusqu'à ce que des traductions en langue grecque des mémoires des prêtres égyptiens aient répandu ces notions parmi au niveau donc, des astronomes modernes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que les Grecs ont traduit les documents scientifiques des Égyptiens en grec et ont tout simplement récupéré le savoir de la Grèce antique. Et c'est comme ça qu'il y a eu autant de grands savants, des Thalès, des Picador, des Platons, tout simplement parce qu'il y avait une source scientifique qui leur a permis d'accéder très vite à la connaissance. Donc vous allez le voir, ici vous avez, donc on va terminer avec le conte de Volney. Volney qui dit ceci, après avoir visité l'Égypte, il dit, cette race d'hommes noirs, donc c'est un français aussi, hein, cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris, parce qu'on est en pleine période de l'esclavage au moment où il dit ça, et celle-là même à qui nous devons, voyez, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Voyez, cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole, d'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples, qui se disent les plus habiles de la liberté et de l'humanité, que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Voilà ce que dit Volney, à l'époque, donc vous voyez, 1820, 1750-1820, donc voilà son témoignage. Donc si Volney a pu conclure en utilisant de tels mots et en faisant une telle phrase, c'est parce qu'il s'est retrouvé confronté à une réalité. Et c'est cette réalité-là que nous allons voir ensemble. Vous voyez, très simplement, on va la voir. Alors vous allez la voir, vous allez la comprendre. Voilà le premier corpus artistique de l'Europe. Le premier corpus artistique de l'Europe, c'est ce qu'on appelle le Kouros. Le Kouros, c'est quoi? Ben, c'est un homme sculpté, il a les épaules droites, les bras le long du corps, le poing fermé, et il a la particularité d'avoir la jambe gauche en avant. Vous voyez, c'est un corpus qui est apparu en Europe entre -500 et -600 avant l'ère occidentale. Vous voyez, entre -600 et -500 avant l'ère occidentale, le kouros épaule droite, bras droit, poing fermé, jambe gauche en avant. Alors regardez ceci. Voilà. Donc vous avez les jumeaux de Delphes en -530, les kouros en marbre en -520, les kouros colossales en arbre samien, -170, les kouros synthiques en -600. Vous voyez, tous ces kouros-là, qui représentent les premières statues qui ont été sculptées en Europe, sont entre -500 et -600. Maintenant, quand vous prenez la statue identique en Afrique, prenons le cas de Menkaoré, même posture de kouros, jambe gauche en avant, épaule droite, poing formé, sauf que nous sommes en -2700, puisque lui, c'est le constructeur de la troisième pyramide du plateau de Gizeh. Quand vous prenez ici Ramsès II, vous voyez, -1300, posture de kouros, regardez Chonsu, ici, -700, donc vous voyez pratiquement un siècle et demi avant cette statue, vous avez la même posture, voyez, et c'est ça qui a amené les chercheurs à comprendre, en fait, que les Égyptiens sculptaient selon un rapport de 22 carreaux, 3 quarts. Et les Grecs ont été en Afrique à prendre la sculpture, pourquoi? Parce que quand on prend les 22 carreaux, 3 quarts qu'on applique ici, et qu'on les applique là, on a les mêmes rapports de proportion. Donc c'est comme ça que personne ne discute de ce fait, scientifiquement parlant. Tout le monde sait que la sculpture, en Europe, est un enseignement qui a été reçu d'Afrique. De l'homme qui a la jambe gauche en avant, qui est la jambe du cœur. Hein. C'est-à-dire, c'est le fait d'avancer avec le cœur. Donc, quand vous voyez les kouros sont des statues colossales. Hein. Quand vous voyez, par exemple, à hauteur d'homme, c'est pour vous donner une idée de la taille des statues. Vous voyez ? Donc, voilà ces kouros aussi qui sont en forme de femme. Toujours la jambe gauche en avant avec le bras plié, puisque là, la femme, elle tient donc son drapé et son châle. Et chose importante, c'est que quand vous prenez maintenant la représentation de Dieu dans le monde oriental, donc on appelle Baal, vous voyez, il a donc ici le palme, la jambe gauche est en avant, il tient manifestement une massue, et il a un chapeau feutre. Ben, vous regardez, tout simplement, vous avez compris que vous avez tout simplement affaire à la tenue du roi d'Égypte. Vous voyez bien que le bonnet blanc, qu'on appelle Edjet, la massue qui tient la main, le pagne, vous avez exactement la même posture par rapport donc à l'Afrique. Donc on voit que la présence de l'Afrique en Orient, à l'époque, est vraiment de souffle d'aucune discussion. Et le message qui a été apporté, manifestement un message religieux, puisque vous avez la représentation de Dieu, donc de Baal, dans la région d'Ougarit, de Canaan, en moins de 2000 ans. Vous voyez ? Donc on voit que l'Afrique est intervenue véritablement avec un apport de connaissances pour aboutir à ces statues aussi. Vous voyez, donc il y a eu la technique de la statue, mais aussi l'environnement culturel aussi de cette statue. Alors maintenant, si vous prenez les jeux de société, donc là, véritablement, on va rentrer encore plus dans ce qui nous unit. Donc généralement, les enfants connaissent ce jeu. Alors, les enfants, comment on appelle ce jeu? C'est le jeu des petits chevaux, qu'on appelle à Paris le jeu des dadas. Donc, vous avez les jeux du petit chevaux. Ah ben, c'est un jeu qui a été inventé, voyez, en Afrique, aux alentours de -3000 avant l'ère chrétienne, et c'est le jeu du chacal. La chose, c'est que c'est exactement le même jeu. Au lieu d'avoir ici des pions en forme de chevaux, vous avez des pions qui ont la tête du chacal, mais le principe du jeu est le même. Voyez, c'est ce qu'on voit dans les musées. Donc voilà, voilà un transfert de connaissances aussi à ce niveau-là. Pour jouer, il faut des dés. Eh bien, le dé aussi est une invention de l'Afrique. Voyez, invention africaine qui date de 3000 avant l'ère chrétienne. Vous allez au musée du Louvre à Paris, vous avez tous les dés donc de l'époque. Si vous connaissez ce jeu, c'est le jeu de loi. Le jeu de loi, vous voyez que les enfants affectionnent particulièrement. Vous voyez, eh ben, c'est une chose extraordinaire parce que voilà le jeu de loi que nous connaissons tous, puisqu'on a eu l'opportunité à plusieurs reprises de jouer au jeu de loi quand on était gamin. Eh bien, ce jeu est aussi une invention de l'Afrique, vous voyez. C'est un jeu qui date de -3500 ans avant l'ère chrétienne. Et regardez, vous avez la tête de loi qui commence le jeu. Le jeu s'appelait le jeu de loi d'Amon, puisque Amon, c'était Dieu. Vous voyez, c'est comme Amen, c'est le même nom. Quand on dit Amen, quand on dit Amon, c'est le nom de Dieu qui portait dans l'Antiquité, en Afrique. Et c'était le jeu de loi d'Amon, puisque loi était l'animal symbolique de Dieu. Et vous voyez, vous avez toujours la tête de loi ici, comme vous avez la tête de loi là. Vous voyez, la seule chose, c'est qu'on a enlevé Amon. Aujourd'hui, on a gardé le jeu de loi, mais c'est le même jeu qu'on joue avec des dés. Donc vous avez le concept qui est le jeu de loi d'Amon. Donc c'est la même chose, vous voyez. Maintenant, pour jouer, il faut des pions. Eh bien, tous les pions viennent aussi d'Afrique. Regardez, vous avez la photo du musée du Louvre que j'ai fait. Tous ces pions-là qui datent de l'Antiquité, ce sont les mêmes pions que vous avez, ou même quand vous jouez au Monopoly, il faut racheter des hôtels. Eh bien, ces pions-là aussi sont égyptiens. Vous voyez? Parce qu'en Afrique, il y a une divinité du jeu qui était Thoth, donc Djéouti, et c'était véritablement la divinité des jeux de société. Et c'est là que les Grecs ont pris la notion de jeu. Si vous connaissez le jeu d'échecs, voyez, ben le jeu d'échecs, voyez ici on joue au jeu d'échecs en 1300 à la cour du roi de France. Ici on joue au jeu d'échecs en moins 1300, voyez, en moins 1300 à la cour du roi d'Afrique. C'est le jeu de Sénète. Voyez, c'est le même jeu, le jeu de Sénète. Donc il y a un jeu. Donc ici vous avez l'épouse de Ramsès II, donc Néfertari, qui joue donc au jeu de Sénète et qui vous montre en fait l'intériorité historique de ce jeu. Voyez, qui a commencé depuis l'Antiquité africaine et qui est arrivé après en Europe via les Grecs et les Romains. Si on prend l'architecture, voilà un monument par exemple qui est typique du monument de la Grèce antique. La chose que vous diront les chercheurs, c'est que ce monument est typiquement africain. Pourquoi? Parce que si ce monument date de moins 500 en Europe, les pylônes et l'original datent de moins 3000 en Afrique. Vous voyez, les pylônes avec le plateau plat, c'est les mêmes pylônes avec le plateau plat, sauf que ça c'est Saqqara, Saqqara c'est moins 2700. Vous voyez, c'est plus de 2000 ans, ce temple-là a été construit en Afrique, 2000 ans avant la construction de celui-là, donc la technicité de la construction monumentale est africaine. Voilà ce que disent tous les chercheurs, vous voyez, si vous prenez ici, le seul monument qui est en Grèce, c'est celui-là, tout le reste est en Afrique, vous voyez. Ce monument-là, celui-là, 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 celui-là. Tout ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique noire en particulier. Voyez, donc, on se demande, mais quand les Grecs ont été si heureux, si fiers de recevoir autant d'informations, autant d'enseignements de l'Afrique, pourquoi aujourd'hui, on a enlevé donc, ces liens qui existaient entre l'Europe et l'Afrique autrefois? Voyez, pourquoi on n'en témoigne pas alors que les liens sont évidents? Quand vous prenez, par exemple, l'Arc de Triomphe, voyez, la structure... Vous voyez, elle vient de là. C'est-à-dire que ce fameux arc de triomphe, les Romains l'ont pris tout simplement parce que c'est le porche d'entrée du temple égyptien. Vous voyez, le temple égyptien, il y a un porche d'entrée. Cette structure-là, c'est ceci que les Grecs, que les Romains ont découpé, entre guillemets, pour donner l'arche que l'on voit par exemple à Paris, l'arche de triomphe et compagnie. Donc l'origine de ça, vous voyez, il n'y a même pas matière à discussion puisque la construction est la même. Sauf que ça, c'est 3000 ans, moins 3000 ans en Afrique, ça c'est du récent. Vous voyez, c'est l'époque romaine. Donc si on prend maintenant les Champs-Élysées, les Africains appelaient ça les champs de Yalou, c'était des chemins lumineux que prenaient les âmes pour aller vers Dieu, et c'est les Romains qui ont appelé ça les chemins Élysées. D'où les Champs-Élysées, vous voyez, l'avenue des Champs-Élysées, c'est une avenue qui est totalement africaine. Pourquoi? Parce que vous retrouvez l'entrée vraiment du temple de l'Égypte et les chemins lumineux qu'on appelait les champs de Yalou, donc qui ont donné les Champs-Élysées aujourd'hui. Vous voyez, donc voilà la source des choses. Donc voilà pourquoi, regardez le testament de Jean-François Champollion. Jean-François Champollion dit « Les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l'Égypte, beaucoup plus avancée qu'on ne le croit vulgairement. » Regardez, la vieille Égypte enseigna les arts à la Grèce. Celle-ci leur donna le développement le plus sublime, mais sans l'Égypte, donc sans l'Afrique, la Grèce ne serait probablement pas devenue la terre classique des beaux-arts. Voilà mon testament, dit Jean-François Champollion. Vous voyez, bon, il n'y a pas que Jean-François Champollion qui le dit, ben, les Grecs anciens. Le temple d'Athéna a été construit par des femmes africaines qui avaient quitté l'Afrique pour aller s'installer en Europe. Et comment on le sait? On le sait tout simplement parce que même Hésiode en témoigne, et Hérodote en témoigne. Et regardez ce que dit Diodore de Sicile, donc Platon et même Hérodote. Le pharaon en Afrique, qui s'appelait Amasis, de la dynastie saïde, envoyait des offrandes au temple en Grèce parce que c'était des femmes africaines qui avaient fait construire ce temple-là. Voyez, voilà le témoignage d'Hérodote. Il dit donc Amasis a envoyé 2 grandes statues de pierre et une cuirasse de lin au temple d'Athéna à l'Indos parce que principalement elles avaient été édifiées par les filles de Danaos. Voyez, les Danaïdes. Voyez, et Hésiode dit que ces femmes ont apporté en Europe l'art de construire des puits dans la ville d'Argos. Voyez, la première fois qu'il y a eu des puits, ben ce sont ces femmes-là qui ont apporté les puits. Donc vous voyez qu'avant, si vous lisez le témoignage des Grecs, vous verrez que l'Afrique a fait de l'aide humanitaire à l'Europe. Autrefois dans l'Antiquité. Et c'est pour ça que beaucoup de rois d'Afrique ont été rois à Athènes. Il y a des pièces de monnaie qui le prouvent. Bon, maintenant, il y a une situation inverse où c'est l'Europe qui fait de l'aide humanitaire à l'Afrique. Mais je dirais, c'est un peu comme par le passé, c'est le retour d'ascenseur. Donc il n'y a pas de quoi en faire un épidrame extraordinaire, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, ben c'était le contraire. Voilà ce que c'est qu'en réalité l'histoire de l'humanité. Vous voyez, on a à chaque fois l'opportunité de renvoyer l'ascenseur. Donc le professeur John Borman, qui est un Anglais, il dit, c'est en visitant l'Égypte que les Grecs ont vu pour la première fois de colossales constructions de pierre utilisant la pierre taillée et des colonnes taillées décorées à leur extrémité. Chez eux, les Grecs utilisaient des constructions de bois. Ils disent que même la colonne, vous voyez la moulure en creux, dans un ouvrage architectural, vient d'Égypte. En Grèce, et elle a été portée à son sommet à Athènes. Donc c'est-à-dire la construction architecturale, en fait, est née en Égypte, et les Grecs l'ont repris pour pouvoir l'implanter en Grèce. Donc voilà maintenant quelque chose d'extraordinaire. Voilà un château fort français, vous voyez, château de la Loire, classique, avec le pont-levis, les douves, les créneaux, qui datent de 1300 de l'ère chrétienne. Maintenant, je vous montre un château fort en Afrique, qui date de moins 2000 avant l'ère chrétienne. Qu'est-ce que vous constatez? Les créneaux existent déjà, le pont-levis existe déjà, les remparts existent déjà, les douves existent déjà, les meurtrières, vous voyez, tout vient de là. C'est le premier château fort de l'histoire de l'humanité. Il a été construit au Soudan, et c'est le château fort de Bouaine. Vous voyez qu'il a été construit 3000 ans avant la construction du premier château fort en Europe. Donc, comment en est-on arrivé au château fort en Europe? Tout simplement parce que les châteaux forts ont été construits après les croisés. C'est après les croisés qu'on a commencé à concevoir des châteaux forts, puisque les chevaliers avaient vu pour la première fois ces constructions. Avant les croisés, les chevaliers ne connaissaient pas ça. Vous voyez? Donc, véritablement, vous voyez qu'en plein Soudan, quand on fait sérieusement l'histoire de l'humanité, au niveau des châteaux forts, il faut commencer par l'Afrique, puisque c'est là où tout a commencé. Vous voyez, il faut commencer par l'Afrique. Quand on ne commence pas par l'Afrique, eh ben, on manque de sincérité dans le travail qu'on fait. Alors, vous voyez, voilà donc en fait le fleuve Nil, et c'est le Nil qui, donc l'eau du Nil qui rentrait dans les douves du château pour pouvoir protéger donc les gens qui étaient dans le château. Et c'est pour ça que les Européens après ont été le long des fleuves, et c'était l'eau des fleuves qui rentrait autour du château. C'est pour ça qu'on a les châteaux de la Loire, donc près du fleuve Loire, et tout ce qu'on appelle, vous voyez, les attaques donc des châteaux, hein, donc avec les catapultes, tout ça c'est parti d'Afrique aussi. Parce que s'il y avait des châteaux forts, c'est qu'il y avait des assaillants, donc les histoires de cap et d'épée ont commencé à cette époque-là. Sauf qu'il faut pouvoir en témoigner aussi dans le cinéma à Hollywood, vous voyez, et pas montrer qu'une version n'est faite. Et voilà ce qui reste de ce château fort en Afrique aujourd'hui. Parce que c'est pas une invention, le château est toujours là. Il reste, voilà les fondements. Vous avez les douves ici, le pont-levis est là-bas. Vous voyez, les restes du pont-levis, ben c'est là-bas. Et il y a des maquettes donc, de ce château en Afrique dans les musées, que j'ai vu personnellement. C'est immense. Alors, si vous prenez, ben voilà, vous voyez l'utilisation de l'équerre pour pouvoir faire donc les sols à niveau, les constructions à niveau. Voilà l'équerre qui a été inventé en Afrique, qui a été reprise, qui sont les mêmes outils qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voyez, et les méthodes qui étaient utilisées pour descendre des blocs de pierre de plusieurs tonnes à plusieurs centaines de mètres sous terre. Voyez, c'est des choses extraordinaires qui permettent de voir comment les gens arrivaient à déplacer, parce que les blocs de pierre, c'est des choses qui pèsent au moins 40 tonnes. Donc c'est tous les procédés mécaniques qui permettaient de soulever ces pierres-là et de les déplacer. Alors Senenmut, important, puisque c'est lui qui a construit le palais de Dehébahari pour la reine Hatshepsut et les obélix. Personne ne sait comment il construisait les obélix, mais c'est un héritage extraordinaire. C'est lui qui a construit ceci, Senenmut. Nous sommes à Dehébahari, donc dans la région de Luxor, aux alentours de moins 1500, Nouvel Empire, et vous avez des constructions comme ça, qui sont déjà maîtrisées par les architectes africains. Vous voyez, originaires du Soudan, parce que ces gens étaient des Bantous. Donc c'est à partir de là que l'Europe va prendre ça pour faire des monuments modernes, tels que le Trocadéro à Paris, par exemple. Vous voyez, on va s'inspirer de ça pour pouvoir concevoir des monuments après en Europe. La monarchie est une invention aussi de l'Afrique. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez le concept que le roi et la reine ont une couronne sur la tête. Vous voyez, le roi et la reine ont une couronne de la tête. Est-ce que vous savez pourquoi le roi et la reine ont une couronne sur la tête? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le roi et la reine ont une couronne sur la tête? Est-ce que vous avez une petite idée? Parce que, en fait, dans le peuple, je dirais avant qu'il y ait monsieur le maire, il y avait le roi, tout à fait, et c'était vraiment les seules personnes qui avaient la couronne sur la tête. voyez, et les rois, vous en trouvez vraiment en Afrique, quand on fait des fouilles, il y a des rois pratiquement au 5e, 6e millénaire. Ah ben, en fait, tout simplement parce que l'homme a 7 chakras, et le premier chakra est le chakra du sommet du crâne. Et c'est un chakra symboliquement qui fait le lien entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc le fait d'avoir la couronne sur la tête, c'est tout simplement parce que c'est le seul individu, avec son épouse, la reine, qui sont chargés de faire le lien entre le monde terrestre et le monde céleste. Vous voyez ? C'est le seul qui va effectuer les cultes, les rites et compagnie. Et c'est pour ça que cette couronne sur la tête est symbolique donc de cette gouvernance sur les deux mondes. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est assez extraordinaire. Voilà le trône de Toutankhamon. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous avez la présence féline sur les protones et vous avez les pattes de lion qui sont à la base du trône du roi. Ça, c'est l'Afrique. Nous sommes en moins 1350 avant l'ère chrétienne. Ah ben, regardez une chose qui est extraordinaire. Vous regardez le trône de Napoléon Bonaparte. Vous voyez, vous avez les têtes de lion. Exactement là, on a la tête de lion sur le trône donc, de Toutankhamon. Et regardez ici les pattes de lion. Vous savez quel est le problème? Ah ben, c'est qu'en France, il n'y a pas de lion. On aurait dû avoir des têtes de sanglier et des pattes d'ours. Vous voyez? On aurait dû avoir des têtes de sanglier, des pattes d'ours. En France, il n'y a pas de lion. Et vous retrouvez le lion exactement au même endroit où les rois en Afrique mettaient les lions. Donc vous voyez vraiment la continuité de cette information africaine qui continue à évoluer dans le monde européen au niveau de la royauté. Il ne faut pas oublier non plus que les couronnes du roi, c'était le rouge, donc le roi, la couleur de la royauté en Afrique, le rouge et le blanc. Et vous voyez bien que Napoléon ici en rouge et blanc. Vous voyez? Donc cette couleur rouge et cette couleur blanche vient directement de l'Égypte antique. Hein, ça c'est directement de l'Égypte antique, puisque le roi s'habillait en rouge et blanc. Vous voyez, il était en rouge et blanc, donc la couronne d'Eshret et Jet. Donc, quand on regarde l'histoire, ce qui est extraordinaire, regardez ici, quand on regarde l'histoire de l'Europe, en fait, toute la tradition est restée fidèle à cette information. Regardez, ici, nous sommes à la dynastie des Capétiens. Les Capétiens, c'est 1300, vous voyez, donc 1268, 1314, vous avez le trône en forme de tête de lion, la couronne dans la tête, le sceptre à la main. En Afrique, c'était la fleur de lotus. Là, c'est la fleur de lys. Et vous retrouvez toujours cette présence féline sur tous les documents. Donc, voyez bien que cette monarchie qui est née en Afrique, ben, l'information de base a été diffusée donc, à travers le monde. Alors, regardez quelque chose qui est assez surprenant. Cette femme que vous voyez ici, qui est une femme africaine, c'est le premier ministre du roi Narmer. Vous voyez le roi Narmer qui est là. Vous avez son premier ministre qui est là. Vous voyez le roi. C'est lui qui a unifié la haute et la basse Égypte et fondé la civilisation égypto-nubienne. Ah ben, le Tchati, en égyptien ancien, c'est le premier ministre. Vous voyez, la fonction politique du premier ministre a été inventée à cette époque-là. Bon, cette femme a inventé la fonction de maire. Vous savez, quand il y avait une ville, il y avait le maire, et oui, vous savez comment s'appelle le maire en égyptien ancien? Le maire. C'est extraordinaire. Non mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Le maire en égyptien ancien s'appelle le maire, c'est le supérieur de la ville, donc on rajoute Newt, donc Newt qui veut dire la ville, c'est le maire Newt, voilà, le maire de la ville, le maire Newt, le supérieur de la ville. Donc c'est cette femme qui a légué l'organisation politique vraiment de l'État. Quand je dis qu'il y a légué, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que le fait d'avoir le conseil des ministres, les ministères, tout ça, ben vous voyez, l'organisation politique d'un État, c'est une femme qui l'a mis au point, et voilà son héritage, vous voyez, qui a permis tout simplement d'avoir un État administré avec la fonction publique, il faut quand même le souligner, la fonction publique, et aussi une invention de l'Égypte ancienne, la fiche de paie, on payait les gens les premiers du mois, vous voyez. Tout ça, c'est l'héritage de l'Égypte ancienne. Hein. La médecine, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc en Grèce, donc en Égypte, on dit émet pour la technique, la pratique et l'art. Et en Grèce, on dit techné pour la même chose, la technique, la pratique et l'art. Regardez une chose, s'il y a des médecins dans la salle, il y a une chose qui est extraordinaire. Messieurs les médecins, il faut regarder ça parce que ça dépasse les jeunes, l'imagination. Voilà les bistouris que vous utilisez ou que vous voyez à l'hôpital. Vous voyez ? Aujourd'hui, voilà les pinces, voyez, donc la trousse donc du médecin que nous connaissons, les pinces pour donc les forceps, hein, les pinces, les ciseaux, donc tout ça pour effectuer les interventions chirurgicales aujourd'hui. Donc voilà l'attirage que tout simplement, tous les médecins l'utilisent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la modernité de la médecine. Ah ben, cette modernité de la médecine a commencé depuis l'Afrique, vous voyez, parce que les Grecs sont venus apprendre la médecine en Afrique. Vous avez les forceps, vous avez les pinces, tout ça, c'est sur les parois de temple, le temple de Korambo. Et je voulais véritablement vous montrer quelque chose, parce que ça vaut le déplacement. Ce que vous voyez ici, c'est le premier stéthoscope de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, ce que vous voyez là, ici, là, c'est un stéthoscope. C'est pour vous dire comment les choses remontent à vraiment loin. C'est extraordinaire. Vous avez les forceps, vous voyez, ici, vous avez les pinces, tout ce qui est le coton, vous voyez, le coton, les ciseaux pour découper, par exemple, couper le cordon ombilical. Donc tout ça existait déjà. Voilà la photo que j'ai faite du mur, vous voyez, la photo que j'ai faite du mur ici, qui vous montre véritablement tous ces objets de la médecine. Et en fait, il faut savoir que le père de la médecine, qui est Imhotep, en Afrique, donc qui s'appelle, donc celui qui vient en paix, donc c'est moins 2600 avant l'ère occidentale, eh ben, les Grecs l'appelaient Asclepios, les Romains l'appelaient Esculape. Et donc vous avez le caducée d'Imhotep qui a donné le caducée d'Asclepios. Voilà le caducée d'Imhotep en Égypte, donc le serpent qui s'enroule autour du bâton, et vous avez le caducée d'Asclepios. Donc vous voyez qu'en fait l'information de base, ben, c'est une information donc, de l'Égypte ancienne africaine qui a été finalement donc, inspirée par des gens qui sont venus de la Grèce antique pour apprendre des savoirs par des disciplines spéciales. Donc, quand on fait le serment d'Hippocrate, vous voyez, on jure par Asclepios. Asclepios, c'est le nom d'Imhotep. Voilà très précisément les choses. Alors, vous voyez, ce qui est extraordinaire, quand vous prenez les textes hiéroglyphiques, les médecins, vous voyez, quand on disait le médecin, je vais vous montrer ici, voilà, c'est Sunu, le médecin. Vous voyez, le médecin est une profession qui a été inventée en Afrique. Le mot soigner, Seb, la souffrance, Ukedou, la maladie, Menet, vous voyez, la santé, Séneb. Je vais vous montrer quelque chose qui dépasse votre imagination. Ici, vous avez déjà la pilule, regardez, tcha, vous avez le déterminatif de la pilule, le cachet d'aspirine et compagnie. Vous voyez, tout ça en hiéroglyphe, c'est impressionnant. Le mouvement du cœur, examiner un malade, cahier, voyez, faire une ordonnance. Frère, regardez, regardez, médicaments, prescription médicale, vous avez déjà le mot, le pansement, fait-tête. Tout ce qu'on connaît dans l'univers de la médecine a été inventé à l'époque de l'Égyptien ancien, de l'Égypte antique. Le pansement, on l'a vu, regardez ceci, vous avez les membres, les organes, l'os à moelle, Thében, le squelette, Médou, voyez, le squelette, Médou, la colonne vertébrale, tout ça, tous ces termes-là sont des termes de médecine. C'est pour vous dire l'avancée de la médecine en Afrique à l'époque. Donc, vous avez, on peut faire la trachée artère, vous voyez, kéké, la cage thoracique, aphédète, le sternum, vous voyez, les côtes, la clavicule, tous ces mots-là qui font partie du lexique médical de l'Égypte pharaonique. Donc, c'est pour ça qu'on sait, vous voyez, Claudine Breuler-Roueff en a parlé, que Hippocrate a étudié la médecine en Afrique. Vous voyez, il a étudié la médecine en Afrique, on sait qu'il a travaillé sur les documents de la bibliothèque d'Imhotep. Et Jean-François Champollion est celui qui a dit clairement que Hippocrate a traduit des papyrus de médecine en grec et s'est accordé la paternité de choses qui n'étaient pas le fruit de ses recherches. Et ça, c'est l'héritage de Jean-François Champollion, parce qu'il a démontré par A plus B qu'après avoir déchiffré les hiéroglyphes, il avait obtenu les mêmes textes à la virgule près que Hippocrate. Et regardez une chose qui est quand même extraordinaire aussi, c'est Hérophile d'Alexandrie, qui est un anatomiste grec, qui est célèbre, on dit, pour avoir pris le pouls pour la première fois. Le problème, c'est qu'il a pris le pouls à partir d'une clepsydre. La clepsydre est une invention des Égyptiens anciens. Donc si les Égyptiens anciens avaient inventé la clepsydre, c'est qu'ils étaient capables de prendre le pouls. Vous voyez? Donc, c'est la plus vieille horloge à eau qui a été inventée par Amenemhat, qui est un scientifique africain de l'époque, et qui a créé donc cette clepsydre. Alors comment on le sait? Tout simplement parce que voilà le texte, vous voyez, qui parle de la prise du pouls. Quant à la faiblesse qui advient dans le cœur, vous voyez, jusqu'au poumon et au foie, il devient sourd, donc le malade devient sourd, les veines, les faisceaux s'étant affaissés. Quand on dit les faisceaux s'étant affaissés, c'est que le pouls, on ne le ressent plus. Vous voyez? Donc, on voit qu'ici, dans le papyrus Hébers, on a la preuve que ce n'est pas Hérophile d'Alexandrie qui est à l'origine de la prise du pouls, mais c'est véritablement l'Égypte antique qui avait déjà mis au point cette technique à partir de la clepsydre. Donc les mathématiques, je vais vous montrer quelque chose qui est extraordinaire. Voilà la tête de massue du roi Narmer, et vous avez ici donc le roi et tous les autres rois africains qui viennent faire allégeance. Le roi Narmer est ici, et ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Alors je vais agrandir la scène pour que vous compreniez. Regardez, la scène c'est que vous avez une vache, vous avez donc ici une chèvre, vous avez ici un homme attaché avec des symboles en dessous. Ça paraît tout ça très bizarre. En fait, à partir du moment où vous avez la connaissance du système de numération, vous découvrez que en fait, c'est un document de mathématiques très avancé. Pourquoi? Vous avez ici la tête de bétail avec 1, 2, 3, 4 grenouilles. La grenouille valant pour 100 000, vous avez 400 000 têtes de bétail. Vous avez ici un homme qui est manifestement un prisonnier avec une grenouille et 2 doigts. La grenouille vaut pour 100 000, le droit vaut pour 10 000, donc vous avez 120 000 prisonniers. Ici, vous avez un homme assis qui vaut pour 1 million, qu'il faut compter 2 fois. Vous avez 4 grenouilles et 2 doigts, ça fait 2 420 000 bouquetins. Vous voyez, en 3200 avant l'ère chrétienne, ah ben, justement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Afrique a un niveau mathématique qui dépasse l'imagination. Vous avez ici sur ce document 400 000 bouquetins, 2 400 000 chèvres et 120 000 prisonniers. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Vous voyez, ah ben, ceci, c'est véritablement le genre de choses qu'il faut pouvoir aussi léguer aux jeunes générations. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça permet véritablement de montrer que tous les peuples ont eu l'opportunité d'avoir un génie, tout simplement, et les peuples ont tous collaboré, donc les uns après les autres, à l'essor de la civilisation que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire, puisque, regardez ici, vous retrouvez le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore, qui existaient sur des papyrus égyptiens 2000 ans avant la naissance de Thalès et Pythagore. Pourquoi? Parce que Thalès et Pythagore ont toujours dit, de leur propre aveu, qu'ils avaient étudié les mathématiques à l'époque auprès des Égyptiens. On sait que Pythagore a étudié pendant 22 ans, les mathématiques donc à Héliopolis. Vous voyez, donc ça c'est le témoignage de Jamblique qui est son autobiographe. Et tout ça pour dire quoi? Vous voyez, l'invention du zéro au niveau de l'Afrique, donc le zéro existait déjà sur les documents donc, de papyrus de mathématiques. Ici, c'est le papyrus Boulat 18. Vous avez les documents, vous avez l'écriture. Donc, le mot papier vient de papyrus, qui est une invention aussi donc, de cette époque de l'Afrique. Et regardez ici, quand le professeur Van den Brink fait des fouilles, vous avez ici le proto-alphabet. A, B, C, D, H, M. Vous voyez, le A, vous avez l'Y ici, le proto-alphabet, qui est une écriture qui avait été élaborée par les prêtres, tout simplement pour pouvoir dialoguer avec les gens de la Phénicie. Et ce sont les Phéniciens, d'ailleurs, voilà le testament, vous voyez, des Grecs anciens et des chercheurs. L'écriture qui arrivait en Europe, via les Grecs et les Romains, est venue par la Phénicie. Et la Phénicie, avant, ben, vous aviez l'Égypte. Vous voyez? Donc c'est important de le comprendre parce que ici, vous avez une pièce de monnaie qui est Cadmos apportant l'écriture aux Grecs. Et nous sommes au 3e, voyez, plus 300 de l'ère chrétienne. Et ici, vous avez le testament de Nonnos de Panopoulos, voyez, qui stipule, de Panopolis, en plus 500, que c'est bien un individu qui s'appelait Cadmos qui a porté l'écriture donc aux Grecs. Donc c'est-à-dire que vous voyez, l'Afrique encore fait un don inestimable à l'Europe, c'est le don de l'écriture. Et ça, c'est important. C'est pour vous dire que, en fait, dans le fond, voilà la représentation de ce Cadmos qui a été fait par les Grecs. Et ce Cadmos, vous voyez, est né tout simplement en Afrique, ici à Thèbes. Et c'est pour ça qu'il a créé en Europe la ville de Thèbes. Vous avez la ville de Thèbes ici et la ville de Thèbes en Afrique. Donc ça, c'est important de le souligner. Je vais vous montrer quelque chose encore rapidement parce que c'est vrai que le temps passe. Vous avez ici la tradition de l'agriculture qui a commencé en Égypte avec Isis. Isis, déesse de l'agriculture, qui est devenue Déméter au niveau de la Grèce, et Cérès au niveau donc, de la Rome antique, qui est toujours la déesse de l'agriculture. Voyez, donc une continuité véritablement au niveau du savoir-faire. Ici, vous avez la musique. Alors la musique, je vais vous montrer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est ceci. Voyez, voilà ici une fresque. Regardez cette fresque qui date de moins de 2200 ans. Et vous avez ici déjà la lyre, qu'on va retrouver au niveau de l'Europe. Vous avez ici le luth, qu'on va retrouver au niveau de l'Europe après, vous avez la harpe qu'on va retrouver au niveau de l'Europe, vous avez même la guitare qu'on va retrouver après au niveau de l'Europe. Vous voyez, les instruments de musique, si on prend le tombeau de Toutankhamon et tout ce qu'on y a trouvé, regardez ça, c'est extraordinaire, le hochet, la trompette, le crécelle, la cymbale, tout ça a été trouvé dans le tombeau de Toutankhamon, et ce sont des instruments de musique qu'on a utilisés, notamment dans l'église, quand on a fait l'église en latin, vous voyez, les crécelles, tout ça, ce sont des documents qu'on a retrouvés dans les abbayes. Mais le début de l'invention de ces objets, ben, c'est véritablement l'Afrique. Si vous prenez le solfège, vous voyez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, vous avez la trace de l'existence du solfège à l'époque des Égyptiens anciens. Alors, si vous prenez maintenant le tambour et le djembé, ben voilà le tambour de Pharaon et le djembé de Pharaon. Nous sommes en moins de 2000 avant l'ère occidentale. Vous avez même déjà le mot harpiste ici. C'est pour vous dire comment la chose est extraordinaire. Prenons la pratique sportive. Vous savez, on parle des Jeux Olympiques qui ont été inventés à Olympie, mais il y avait des Jeux Olympiques qui se déroulaient déjà en Afrique. Et si vous prenez par exemple une compétition d'escrime, c'est extraordinaire, qu'est-ce que vous constatez? Regardez ici, les épées sont déjà mouchetées à leur extrémité, les mains sont protégées par une garde identique à celle d'un sabre, vous avez ici un petit matelas, donc ici un casque qui protège la tête, un bouclier qui protège le bras, et ici, donc une espèce de pagne pour protéger le bassin. En fait, tout ce qui fait l'escrime moderne existait déjà à l'époque de l'Antiquité en Afrique. Et c'est ce que vous retrouvez, puisque nous, en Guadeloupe, on a une championne française qui est Laura Flessel, qui est 6 fois médaille du monde, donc championne du monde, et vraiment c'est un peu en hommage à elle que j'ai fait ceci tout simplement pour lui montrer l'origine vraiment africaine de son sport, vous voyez, qui est l'escrime. Eh bien, l'escrime, vous avez une compétition d'escrime qui remonte à moins 1190 avant l'ère chrétienne en Afrique. Et voilà les jurys, vous voyez, donc les membres du jury avec cette compétition. Et voilà encore, vous voyez, la compétition d'escrime avec l'arbitre, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il fallait quand même voir qui avait touché l'adversaire avant l'autre. Et les sports, moi je voulais vous montrer ceci, donc voilà la compétition de lutte, qui va devenir la lutte gréco-romaine. Voilà, je voulais vous montrer ceci, c'est l'invention de la lutte et du hockey. Parce que quand on est en France, il y a une chose qui caractérise particulièrement le Canada, c'est le hockey. Vous savez, nous, je dirais en France, c'est le football. De façon générale, le soccer, pour dire les choses. Et c'est vrai que quand on voit l'Amérique, c'est le football américain, et le Canada, c'est le hockey. Ah bien, vous savez que le hockey a été inventé par les Africains. Je vais vous montrer vraiment les choses donc, très clairement. Voilà la lutte. Alors, regardez une chose. Vous voyez, ici, on joue au hockey. Donc, c'est du hockey sur gazon à l'époque. Donc, c'est pas encore du hockey sur glace. Nous sommes en moins 490 à Athènes. Vous voyez? Donc vous avez vraiment la scène avec les 2 crochets. Ah ben regardez, en Afrique, en moins 2200, vous avez le tombeau de Beni Hassan, vous voyez, où le crochet apparaît pour la première fois dans l'histoire de... Le hockey, pardon, apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez? Voilà, tombeau de Beni Hassan, le hockey sur gazon, à l'époque comme en Australie. Vous voyez, puisque l'Australie a gardé la partie hockey sur gazon, le Canada a pris le hockey sur glace, eh ben voilà l'origine en fait de ce sport. Ce sport a commencé en Afrique et les Grecs l'ont vu pour la première fois en Afrique et c'est de là qu'est parti véritablement le hockey. Parce que vous savez quand vous allez regarder les livres aujourd'hui, on vous raconte une histoire comme quoi c'est parti de l'Angleterre, mais le hockey est parti de beaucoup plus lointain que ça, vous voyez. L'histoire est beaucoup plus longue au niveau du hockey sur gazon. Vous voyez, c'est toujours intéressant de voir ça. Voilà les compétitions qu'il y avait à l'époque. La gymnastique rythmique avec le fait de jongler avec les balles, la boxe, la danse et l'haltérophilie. Voilà les compétitions qui se déroulaient à l'époque de ces jeux. C'est vraiment impressionnant. Et naturellement, la lutte, vous voyez, la lutte qui est devenue la lutte gréco-romaine, qui était une lutte africaine à l'époque. Et vous voyez, voilà le tombeau. Regardez ici, vous voyez la scène de hockey sur gazon est ici. Vous voyez, le tombeau de Beni Hassan. La scène, elle est là. Vous la voyez vous-même dans le tombeau du pharaon. Eh bien, la scène, elle est ici. Hein? Donc, c'est important de voir ça. Le foie gras, eh bien, le foie gras, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, est apparu en Afrique. En moins 2700 à Saqqara, vous avez déjà des Africains en train de gaver les oies pour faire le foie gras. Vous voyez? Si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter l'Égypte, ce sont des choses que vous verrez donc au musée du Caire et dans la muraille. Alors, pour terminer, la spiritualité. Vous savez, le mot hiéroglyphe vient des Grecs. Écriture sacrée, les gens qui vivaient là, quand ils ont appelé leur écriture s'appelait Medou Necher. Medou Necher, ça veut dire les paroles de Dieu. Vous voyez, donc le besoin qu'a ressenti l'Afrique, c'est de témoigner de l'existence de Dieu. Et c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on témoigne de l'existence de Dieu. Tout est parti de là, voyez. Donc de la même façon que les sciences sont parties de là, l'invention du mot détéisme, voyez, voilà la première fois qu'on a représenté Dieu dans l'histoire de l'humanité. Ce Dieu s'appelle Amen. C'est pour ça que tout le monde termine la prière en faisant Amen. C'est le nom de Dieu, Amen, c'est le verbe Imen, qui veut dire être caché, ce qui veut dire le Dieu que personne ne peut voir à l'œil nu. Et quand il parle, il dit « Je fis tout ce que je fis étant seul, avant que personne d'autre que moi ne fût manifesté à l'existence ». Vous voyez, le monothéisme, donc il faut savoir que la représentation de Dieu, c'est le soleil, il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, donc ça montre bien que le Dieu était unique pour tous les Égyptiens et les Africains anciens. Ici, vous avez quelque chose qui est extraordinaire, vous voyez, c'est Dieu, parce que Dieu a plusieurs noms, le Créateur, le Seigneur, le Très-Haut. Bon, là, c'est quand on l'appelle Thème. Vous voyez, donc toujours avec le phénotype africain, quand on l'appelle Thème, Thème, ça veut dire celui qui contient la totalité de l'univers. Maintenant, quand on met le nom de Dieu au pluriel, vous voyez, Thème, donc vous avez le mot Thème, que vous avez ici, vous mettez au pluriel, l'homme et la femme, les trois traits du pluriel, ça donne l'humanité. Thémou, l'humanité. Donc vous voyez, quand on dit Dieu, c'est Thème. Quand on met le nom de Dieu au pluriel, ça devient l'humanité, tout simplement pour montrer que Dieu est le créateur de l'humanité. On ne peut pas faire plus fort que l'Afrique à cette époque-là, vous voyez, dans le concept que c'est Dieu qui a créé l'humanité. Eh bien, on prend le nom de Dieu, on met le nom de Dieu au pluriel et ça donne l'humanité. Donc la possibilité que les Africains aient été polythéistes est nulle, parce que quand le nom de Dieu est au pluriel, ça donne l'humanité. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec Dieu lui-même. Donc maintenant, les termes par lesquels on appelle Dieu aujourd'hui, tous ces termes viennent de l'Égypte antique. Si vous prenez le créateur, c'est Ta. Si vous dites « Je suis l'éternel », c'est Iknehehe. Si je dis « Je suis le maître de l'univers », c'est Neberger. Si je dis « Je suis le maître de l'éternité », c'est Nebnehehe. Si je dis « Je suis le Dieu Tout-Puissant », voyez, c'est Netcher Sekem. Si je dis « Je suis le Sauveur », Anjuneter. Je suis le maître du ciel, Nebpet. Je suis le parfait, Merinefer. Il est le Seigneur, Nebpou. C'est-à-dire tous les termes que vous connaissez dans les textes, ce sont des termes qui ont été inventés à l'époque aussi de l'Afrique pharaonique. Alors, voilà, regardez le concept, comment il est. Aujourd'hui, on dit que Dieu, il est au ciel, il est assis sur son trône avec le disque solaire derrière la tête. Bon, là, c'est un Dieu particulier parce que lui, il a un écran total 300 millions, hein, parce qu'il ne noircit pas. C'est un Dieu spécial. Parce qu'en tant que père de la biologie, avec un tel soleil derrière la tête, il devrait noircir. Mais lui, il ne noircit pas parce qu'il a un passe-droit, vous voyez. Lui, c'est un écran total 300 millions, il se le passe sur la peau tous les matins, comme ça il peut avoir le soleil derrière la tête, il noircit pas. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais en Égypte ancienne, vous avez Dieu, voyez, donc Dieu, qui est représenté ici, assis sur son trône, avec le même disque solaire au-dessus de la tête, et il est où? Il est au ciel. Le ciel est écrit ici, Netcher, Haha, Nepet, le grand Dieu maître du ciel. Vous avez la même information. Donc, l'information qui veut que Dieu soit au ciel assis sur un trône avec un disque solaire au-dessus de la tête, c'est un concept totalement africain. Vous voyez, on peut le représenter comme on veut, mais le dépôt à l'INPI a été fait pour l'Afrique. Après, il faut payer des droits d'auteur. Vous voyez? Donc maintenant, quand les Africains sont partis enseigner l'existence de Dieu aux Grecs, eh ben, Dieu avait comme animal terrestre le bélier qui allait comme retourner. Et c'est pour ça que les Grecs ont commencé à faire des pièces de monnaie qui s'appellent Zeus Amon, donc Zeus Amen, donc le nom du dieu Amen. Et vous voyez les cordes recourbées ici, tout simplement parce que vous avez un enseignement de l'Afrique qui rentre dans la culture de l'Europe, Dieu avec les cornes de bélier. Pourquoi les cornes de bélier? Parce que c'est un animal qui ne peut pas blesser son adversaire. Vous voyez, les cornes sont totalement recourbées, il ne peut pas blesser son adversaire, c'est uniquement par la force qu'on voit qu'il est puissant. Donc maintenant, quand vous prenez donc ici le roi, donc le fils de Dieu qui est l'agneau de Dieu, donc vous voyez d'où vient le concept d'agneau de Dieu, parce que vous avez Dieu ici, et vous avez ici ben, l'agneau qui est tout simplement le rejeton du bélier. Et ça, des béliers comme ça, il y en a des centaines de milliers en Égypte. Et c'est Ramsès II, en l'occurrence le roi. Alors regardez encore une autre information, alors là c'est vraiment très délicat. C'est délicat parce que, je dirais, on a la surprise aussi à travers l'histoire de découvrir des choses. Ici, vous avez le Fils de Dieu qui a été envoyé pour juger les péchés des hommes. Ce Fils de Dieu est assis dans la place de la vérité, c'est Osiris. L'individu que vous avez ici, il est mort. Il est emmené dans la place de la vérité on met son cœur d'un côté de la balance et la plume du Saint-Esprit de l'autre, et il doit montrer qu'il a vécu durant toute sa vie en respectant les commandements de Dieu. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas 10, mais 42 commandements. Vous voyez, en Afrique, à l'époque, il n'y en avait pas 10, mais il y en avait 42. Donc c'est sur les 42 qu'on en a pris 10. Vous voyez, on dit que c'est Moïse qui en a pris 10 sur 42. Et à partir de là, comme son cœur est aussi léger que la plume du Saint-Esprit, eh ben, l'homme qui est là, et le même homme qui est là, et là, il est présenté devant le Fils de Dieu, et il va être reconnu comme un saint homme. À l'époque, ça se disait Maakerou, c'est-à-dire un juste devoir. Et après, ben, il est autorisé à aller au paradis, auprès de toutes les divinités, auprès de ses arrières, dont son arrière-grand-père, son père et compagnie. Donc on le voit ici, vous voyez, en train de saluer, donc puisqu'il a été reconnu comme un saint homme, il peut aller au paradis. Donc vous voyez que cette information est aussi une information du Fonds de commerce de l'Afrique. Vous voyez, c'est véritablement, quand ils ont voulu écrire, donc les Médounétaires, les paroles de Dieu, voilà de ce dont ils ont voulu témoigner. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition chrétienne, qui est une tradition africaine. Vous voyez, puisque le Jésus de l'époque, il était noir. Enfin, pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez, donc, quand vous prenez, maintenant, je vais vous montrer des choses quand même qui sont assez précises. Quand vous prenez maintenant la balance qui est posée sur le sol, et le cœur de l'homme et la plume du Saint-Esprit, et la divinité qui est surélevée, vous voyez que le prêtre ici, Heming, a bien mis la balance au niveau du sol et la divinité surélevée. Donc on voit qu'il a respecté le canon égyptien. Sauf que le seul problème, c'est que la balance, vous voyez, l'homme est au niveau du sol, mais la balance n'est plus posée sur le sol et l'Esprit Saint a disparu. Puisqu'on pèse un homme par rapport à un autre homme. Même topo ici, vous voyez, donc la balance n'est plus posée au sol, on n'a plus la précision du départ, et on pèse un homme par rapport à un autre homme. Donc ça donne ceci, vous voyez, ça donne que, en fait, au départ a existé ceci est devenu ça dans la Grèce antique, donc en moins 600, le personnage qui est là est devenu Hermès, il fait toujours la scène de la psychostasie, regardez, sauf que l'Esprit Saint a disparu, l'Esprit Saint à l'époque en Afrique c'était une femme, hein. C'est après que c'est devenu un homme, là c'est une femme. Donc, et finalement dans la tradition chrétienne, eh ben, on a toujours donc, cet homme qui est le même homme qu'ici, qui est le même homme que là, l'homme qui est là, l'homme qui est là, l'homme qui est là, c'est le même homme. Sauf que, vous voyez, l'Esprit Saint a disparu, on juge un homme par rapport à notre homme, et la balance n'est plus posée au sol. Donc le souci de la précision a été supprimé. Alors que ici, c'était vraiment très important, parce que cet homme allait soit au paradis, soit en enfer. Il fallait que la balance soit vraiment très justement réglée. Alors, ici, la circoncision, on dit que Abraham est le père de la circoncision. Le problème, c'est qu'il y a des rois qui ont vécu avant la naissance d'Abraham et qui montrent qu'ils ont déjà été circoncis. Donc la circoncision n'est pas une invention d'Abraham, c'est une invention de l'Afrique. Parce qu'à cette époque-là, Abraham, le grand-père d'Abraham, n'était même pas encore né. Vous voyez, on est en 2300 avant l'ère occidentale, Abraham c'est moins 1800. Le grand-père d'Abraham n'est toujours pas né qu'on voit des scènes de circoncision dans les tombeaux des pharaons. Bon, si vous prenez Marie et Jésus par exemple, alors vous voyez, ici, la scène, parce que dans la tradition africaine qui est matriarcale, l'envoyé de Dieu avait sa femme qui s'appelait Isis-Marie. Donc la scène où elle tient son fils qu'elle a eu par Immaculée Conception entre les jambes est devenue la scène donc, de Marie et de Jésus. Alors vous allez voir comment ça s'est passé. Vous voyez, le concept d'Immaculée Conception en Afrique, cette femme qui est l'épouse de Ramsès II a eu un enfant avec son mari, l'œuf est cassé. Cette femme a un enfant dans les mains, et pourtant son œuf est plein, il n'est pas cassé, parce que c'est la seule femme dans toute l'histoire de l'Afrique qui a eu un fils par Immaculée Conception, donc son œuf est plein. Vous voyez, voilà comment le concept d'Immaculée Conception se manifeste. Et donc l'histoire, ben, vous connaissez l'histoire, Marie donne naissance à son fils Jésus, et elle doit fuir en Égypte, tout simplement pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi, donc Hérode, au nouveau-né, donc c'est le récit de la fuite de Marie et de Jésus vers l'Égypte. Ah ben, l'histoire de l'Afrique, c'est la même chose, regardez. Isis-Marie donne naissance à son fils Horus et doit fuir vers les marécages pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi Seth au nouveau-né. C'est le fameux récit de la fuite vers les marécages. Voyez donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout simplement, les pères de l'Église ont repris les textes des Égyptiens et les ont acclimatés pour la tradition chrétienne. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà la scène de départ. Vous avez cette femme africaine qui allaite son enfant. voyez, parce que la scène, c'est une scène d'allaitement. C'est important dans la tradition africaine que la mère ait allaité son enfant, parce que c'est dans l'allaitement qu'elle va transmettre à l'enfant sa divinité. L'Europe, pour représenter Marie et Jésus, regardez, vous avez exactement la même scène. Le sein de Marie est à l'air et Jésus à l'air. Il n'y a même pas photo entre les deux scènes. C'est une photocopie, sauf que là, le personnage est noir, et là, le personnage devient donc européen. Mais comme dans la tradition européenne, une femme qui a le sein dehors comme ça pose un souci, donc on va progressivement essayer d'enlever la scène du sein. Voyez, donc maintenant, plus personne ne regarde le sein, aussi bien la mère que l'enfant, tout le monde s'est désintéressé du sein, mais le sein était toujours apparent, ce qui posait un problème. Donc le sein a été complètement supprimé de la scène, et voilà la scène que vous connaissez aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est une évolution successive qui montre finalement de la façon dont les choses ont été faites. Alors, c'est vrai, comme le temps passe, moi je voulais vous montrer juste une dernière chose, parce que cette chose est relativement parlante. Vous voyez, c'est véritablement ceci, voilà. Et ceci vous permettra tout simplement de vous faire une idée de cet héritage et ce partage, cette culture que nous avons en commun. Parce que, je dirais, mon propos, c'était tout simplement de montrer cette culture que nous avons en commun. Vous savez, cette scène, c'est une scène qui se déroulait une seule fois en Afrique. Vous avez le roi porté par les prêtres, vous voyez, sur les épaules, et avec les étendards qui donnent à la scène le caractère sacerdotal, le roi apparaît véritablement comme le guide spirituel de son peuple. Vous voyez, donc c'est une scène qui se déroule un jour bien précis, une seule fois, donc au niveau de l'histoire africaine, quand le roi règne. Ici, vous avez la même scène, Horeb-Eb, vous voyez un autre roi, toujours porté par les prêtres, vous voyez, sur les épaules, avec les pompons de la mat, donc du Saint-Esprit, que vous avez ici, et les deux étendards qui donnent à la scène son caractère sacerdotal. Vous voyez le roi porté par les prêtres et les deux étendards qui donnent à la scène son côté sacerdotal. Eh bien, je vous renvoie aujourd'hui, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, regardez ceci, vous êtes au Vatican, vous avez la même scène. Vous voyez, le pape est porté par les prêtres de la même façon. Vous avez les étendards qui sont exactement les mêmes étendards que je viens de vous montrer tout à l'heure au niveau de l'Afrique. Vous voyez, c'est exactement la même scène. Vous voyez, donc tout ça pour dire quoi? Ben voilà ce que disait Diodore de Sicile. Il disait que les historiens rapportent que les Éthiopiens furent les premiers de tous les hommes et ils affirment que les preuves en sont évidentes. C'est exactement ce que la science a démontré aujourd'hui. Les historiens affirment aussi que c'est chez les Éthiopiens que l'on a pour la première fois enseigné à rendre culte à Dieu. Les cultes qu'on a aujourd'hui sont exactement les cultes de l'Éthiopie qui ont été inventés dans l'Antiquité. Voyez, donc tout ça, c'était important simplement de vous le montrer et vraiment pour prendre le temps de la réflexion et découvrir ce que c'est que l'histoire de l'humanité. Je vous remercie, mes très chers.